Quel est votre problème? Les gars, ça fait une heure que je suis avec ma copine et qu'on fait un overlay de fou. Regardez seulement ce qu'on vient d'effectuer, quoi. C'est trop bien, en vrai, c'est trop bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est là pour le Gold Challenge. Vous avez une commande dans le chat, exclamation, point d'exclamation Gold. Je vais la lire tout simplement pour vous expliquer. Je dois avoir tous les trophées hors de la map. On va commencer par le Yukon. C'est-à-dire que je dois abattre toutes les races d'animaux d'un tir parfait. C'est-à-dire les bonnes munitions. Et le tir parfait, c'est-à-dire dans les organes vitaux, sans détériorer le trophée, du coup. Donc un tir pristine. Et il faut que ces animaux soient parfaits. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une bonne. Il faut que ce soit des mâles, déjà. Jamais de femelles. Et ce qui importe aussi, c'est la notation selon leur physique. C'est-à-dire que par exemple, un élan avec des petits bois ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, nous, c'est un élan avec des grandes cornes et qui pèse lourd. Ce qu'on veut, c'est des bisons de 900 kilos, pas 700. Voilà. En gros, c'est ça qui va changer. Et regardez, par exemple, imaginez, j'ai réussi à buter le grizzly. Et bah, je fais ça. Et regardez. Hop là! Il est noté en haut de l'écran. J'ai eu le loup gris. Hop là, et ça dégage. Voilà. Donc ça, je suis content. C'est incroyable. Cet overlay est incroyable. Ça, c'est le petit truc en plus. Voilà. C'est trop bien. Ouais, c'est stylé. Donc voilà, aujourd'hui. Ah, oh, mais il neigeait pas tout à l'heure quand j'étais là. Ok. On va commencer a priori par. Je pense. Le bison. Je pense que c'est plus facile. On va commencer par le bison. Il n'y a pas grand chose à savoir pour le bison, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas d'appôt. Il suffit juste d'avoir un gros fusil, comme celui-ci, qui est un monstre. Donc là j'ai trois trucs, hein. J'ai regardez mon inventaire. J'ai du 270, du 300 et le king. Vous vous rappelez du king, hein, qui peut abattre n'importe quoi. Mais bon, ce sera surtout utile pour les bisons. C'est à peu près le seul truc dans cette map qui est utilisable, enfin qui est tuable par King. Parce que le King, c'est quand même énervé quoi. C'est classe 9, donc il y a à peu près que les bisons en fait. Je crois que le Grizzly, c'est même pas classe 9, j'en suis pas sûr. Donc on va voir. Donc ce qui va être compliqué, c'est que si on tombe sur un animal dans la nature, on n'aura probablement pas ce qu'il faut pour le tuer. On n'aura pas les appôts, on n'aura pas les leurres, voilà. Donc on va plutôt se concentrer sur une race à la fois, je pense. Et si on a des belles rencontres, on verra ce qu'on fait. Mais voilà. Donc on va essayer de trouver les bisons. On va faire ça méthodiquement. Contrairement à d'habitude où je joue comme un sac. On va aller chercher des lieux où on est sûr que les bisons vont venir. Là c'est du grizzly, là c'est du renard. Il me semble que. Là, il y a du bison. De 3h30 à 7h. Du coup, on va aller là. On va aller là. Et le plus simple pour y aller, c'est de la merde un peu. Ok, on va aller ici. Et je pense qu'on va juste marcher jusqu'à là-bas. Et espérer en voir. C'est à 600 mètres. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, merde. Ça, c'est chiant. Mes jumelles sont en 4. Il va falloir que je m'habitue. Parce que j'ai 3 fusils là. J'ai 3 fusils, c'est beaucoup. Ok. Il est quelle heure? 14h. Bon, a priori, on n'aura rien. On va peut-être dormir avant de partir. On va dormir, on va se mettre à. C'était 3h30 à 7h. On dormira là-bas. Parce que là, si je vais. C'est mort. C'est quoi ce jeu? C'est un Call of Duty de Wish? Écoute, écoute, T-Mac, on est ici sur un stream de professionnel. Les blagues d'enfants de 12 ans, c'est dehors, c'est dehors. Ici, on est là pour remplir un challenge, d'accord? Ça va trop loin. Déjà, ça va trop loin. Tu as dépassé les limites. T'as encore le bug du chat? Non, je l'ai corrigé. C'est bon. J'ai réinstallé plus ou moins le jeu. J'ai touché des trucs et c'est bon. J'ai trouvé le bug. Du coup, ça y est, je peux vous lire. Je peux voir les subs. Merci Bast pour le sub, merci Mindoodles pour les 49 mois, merci Lilith pour les 15 mois, merci Slykid pour le Prime. Donc voilà, il n'y aura plus jamais de problème
comme on avait, ça va nous enlever un poids. Ici ça rigole zéro. Ah bah non, aujourd'hui vous savez c'est du sérieux hein. Ici on n'est pas là pour voilà. Allez, on va mettre notre tente. Je l'ai mise où? Oh, j'ai pas ma tente. Le jeu il a bugué tout à l'heure, il m'a remis ma tente, il m'a enlevé ma tente. On recommence. Je prends ma tente. Hop. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ça. Tente élite blanche. J'ai pas la place. Ah, c'est probablement parce que j'ai pris trop de trucs. Et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va pas prendre le 270. On va pas prendre le 300. On va garder le 270. Ok. Bon, dommage. On a encore moins... comment dire? Quel est le terme? On a encore moins... polyvalent. Là, on peut tuer quelques races d'animaux, mais très peu, en vrai. Donc ça va être... ça va être pas à pas, quoi. On va pas vraiment pouvoir... Au pire, achète un sac. En fait, le problème, c'est qu'il y a les très gros sacs. Ils enlèvent des points de discrétion, je crois. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit une belle opération, quoi. Merci, Pingouinski. Et Metales. Et Iskander. Et Seraph TV. Merci beaucoup. Je pourrais prendre un sac plus gros, mais peut-être que les joueurs expérimentés pourront me dire. Hein. Mais apparemment, il enlève des points de discrétion. Du coup, je suis pas sûr du bail. J'ai envie d'acheter le jeu, mais sans les DLC, il a pas l'air très intéressant. C'est vrai que les DLC sont assez importants, hein. Malheureusement. On va aller à 400 mètres et après on va dormir. On va dormir. Et après on va commencer le tryhard sur les bisons. Oui, il enlève les points de discrétion. Ouais, c'est chiant quand même. J'utilise toujours le gros sac et c'est ok. Ok, on dort jusqu'à 5h du matin. Je pense que c'est ok. Parce qu'il faut qu'il fasse jour, quoi. Voilà, bon, on est à la... Oh, c'est beau, hein. Ok. Renard roux, bat les couilles. Je vous rappelle qu'on... Il y a un bison ici. Le problème... J'ai pas fait une bonne opération, là. Il me faut un autre fusil. Parce que... Si je peux pas l'avoir de près, mon king... Est-ce que le king, il a une bonne portée? Ouais, non, pas ouf, le king. La portée est pas ouf. Du coup, je vais prendre le 300. C'est pas l'idéal, le king, si je suis pas proche. Mais elle est où, ma 300, en fait? Pourquoi je la vois pas? Allez là. On enlève le 270. Faisons comme ça. Hop. Hop. Et je pense qu'il m'a pas entendu. Chasse-le à l'arc pour le fun. Oh, si je peux ne pas me rajouter un malus, ça me fait plaisir, tu sais. Il est là. Mais le problème c'est qu'il est, il est catégorie 3 très facile, donc je pense que c'est pas ce qu'on cherche. Vous voyez, lui typiquement si je le tue, je vais avoir un trophée argent. Il est trop petit en fait, il est pas assez massif. Nous ce qu'il nous faudrait c'est un troupeau. C'est un gros troupeau où on en voit un qui se détache. Un gros sac. Lui je pense qu'il n'y a aucune chance pour qu'il me donne un trophée or en fait.
Ça me semble impossible. Le problème, c'est que s'il n'y a que lui qui vient, on est baisé. Merci, The Chevreuil. Nice. Merci beaucoup. Donc il n'y a que lui quoi. C'est un peu dommage. Je m'attendais à un troupeau, mais après ça se trouve ils vont arriver. Hein. Parce que c'est entre 3h30 et 7h et ils peuvent arriver n'importe quand. Donc il y a peut-être un truc à faire. Puis au pire on va trouver des traces d'un troupeau dans les un peu plus dans les montagnes, dans la forêt là-bas. Lui il en a rien à foutre. Hein. On est d'accord les experts là, qu'un trait facile comme ça, c'est impossible qu'il soit en or. Qu'en pensez-vous? C'est impossible. Ça sert à rien de tenter. Ouais, c'est ça. On est d'accord. C'est un bon moyen, ça, la notation très facile, là, de voir si c'est des ors, des diamants, des machins. Je pense que c'est. Je pense que c'est une bonne. Un bon indice, quoi. T'as déjà eu un albinos? Ouais. J'ai eu un chevreuil, je crois. J'ai eu quelques trucs. Après, le problème, c'est qu'il y a eu un bug sur The Hunter et que ma loge, elle a été vidée. Donc en fait, tout ce que j'avais eu, il reste que deux trucs, je crois. Donc c'est vraiment cool. Et ils n'ont jamais fixe, donc j'ai perdu la plupart de mes trophées. Y en a pas qui descendent des montagnes là? Non. Non, non et non. Caribou. Bison. Ouais, mais y a personne pour l'instant. Ok, la difficulté max c'est moyen. Ok, donc peut-être qu'un facile ça peut passer quoi. On verra. Je vais bouger un petit peu, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a rien. Hein. Je vais bouger. Je pense qu'on est dans une zone à bison quand même, malgré tout. Peut-être. Caribou. On va bouffer du caribou aussi, je crois. Hein. C'est le même que tout à l'heure. Ah, c'est un caribou ça. Oui. Je vous l'avais dit, hein, le caribou, on va en bouffer. Hein. Après, caribou, il faut que j'en tue un en. Faut que j'en tue un en or. Alors, si c'est un beau caribou, mais le problème, c'est que j'ai pas l'arme, du coup. Parce qu'un caribou, je pense que c'est pas le 300 qu'il me faut. C'est quoi la notation du caribou? C'est pas bon. Vers Silver Ridge pour les bisons. C'est où? Je dois pas l'avoir. Lumber Shore. Un caribou, il faut que j'en ai un en or, hein, mais. Problème. Pleine de bright trucs là, je fais full troupeau de. Ouais, ici, donc c'est là où je suis, hein. Je pense il peut y en avoir, hein, des bisons. Caribou. Ça va, les caribous, ils ont pas l'air farouches parce que j'arrête pas de courir et ils ont pas peur.
Je l'ai pas vu. Je sais pas où il est. Bon, il me faut du bison. Je crois qu'il y a que des femelles dans les troupeaux de bisons. Non. Il y a souvent un mâle qui est un peu en écart, mais qui est là. J'ai déjà vu plusieurs mâles aussi. Il y a beaucoup plus de femelles dans les troupeaux, mais il y a des mâles. Donc c'est bon. Un troupeau, ça m'irait très bien. Bah, du coup, on va longer par là, hein. On a zéro trace, on a rien, ça c'est trop chiant. C'est pas ce que je veux. C'est un loup. Si tu butes ton chien, ça compte? Non! Impossible de buter Patrice, il est protégé par le jeu. C'est quoi cette race là? Loup gris. Bon, en tout cas, ici on pourra venir chasser le loup gris a priori, hein, putain. C'est une zone de passage vénère. Cri d'avertissement, ouais, bah ouais. Ok. Ouais, bah les bisons ils sont pas de bonheur, hein. Ils s'en battent les couilles de ma vie, hein. Ils vont venir à 7h pile, les cons. Ça se trouve, y avait que celui qu'on a vu, quoi. Le reste n'arrivera jamais. On est plus ou moins là où il y avait le bison, là. Je crois. Pas trop loin. Bon, là, c'est du bison, ça. Putain, c'est pas du bison. C'est encore du saleté de caribou. Fait chier. Mais où sont les bisons? Merci Marin, et merci Panalite, et Mercurognome pour les gros subs. Merci beaucoup. Putain, on est baisé. On est tout seul. On est niqué. On cherche quoi? On cherche un bison. On cherche un bison. T'es pas sur la meilleure map pour bison. On s'en fout. Je veux juste avoir tous les trophées de la map. C'est pour cette mission. Donc, je dois être sur cette map en fait, puisque c'est une mission de la map. Bon, ça, c'est toujours le même bison de tout à l'heure, hein. Donc on est rendu là où on était tout à l'heure, on est en train de faire le tour. Sauf qu'il a pas de copain quoi. Il a aucun pote en fait, il est tout seul. Ah. Voilà un mini troupeau. Le problème, c'est qu'on a deux femelles et un mâle qui est encore nul. C'est un mâle nul lui. Bute-lui, il fera peut-être l'affaire. Honnêtement, impossible. Je pense vraiment que c'est impossible. C'est quoi la portée de mon king? Quelqu'un a l'info sur la portée du king? C'est vraiment des petits mâles, hein. Regarde sur les munitions. Ouais, bien vu. Ah mais la portée pratique elle est pas bonne, c'est pas vrai ça. Enfin c'est pas exactement ce qu'on cherche en fait. Donc 100 mètres, ouais c'est ce que j'aurais dit à peu près 100 mètres mais... Ah ça nous intéresse pas vraiment. Malheureusement Je vais pas le buter parce que ça sert à rien en fait. Le DLC du chien est pas hyper utile. C'est utile que pour retrouver les animaux sur lesquels t'as tiré en fait. Vraiment que pour ça. Ah,
C'est pas très... En fait, si je le tue, ça va alerter toute la zone et du coup, je vais baiser toute la zone en fait. Du coup, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'en est un autre. C'est un autre... C'est un autre troupeau? Oui, c'est un autre troupeau. Attends, il y en a d'autres en fait. Ah, mais il n'y a pas le... Non, en fait, c'est ce que je voyais tout à l'heure, je crois. Non, c'est pas ce que je voyais tout à l'heure. Ok. Caribou. Ok, ils viennent d'arriver là. Ça y est, c'est l'heure du petit déjeuner. Malheureusement, on n'a pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de shiny là. En vrai, on n'a rien vu de qui m'intéresse quoi. Je vais revérifier le troupeau un peu, mais là, là c'est de la merde. C'est dommage, il y en avait pas mal pour le coup. Il n'y a pas cette appli Alpha Fox, on me la conseille tout le temps, mais je j'ai pas Android. J'ai pas de téléphone Android, donc il n'y a pas cette appli. Elle n'existe pas pour moi, malheureusement. Ah, il est petit, hein. Il est petit. On peut se faire attaquer dans le jeu? Oui, tu peux, ouais. Les bisons peuvent t'attaquer. Si tu t'approches trop près du troupeau, tu te fais charger la gueule. Bon bah rip hein, je pense que là il faut reroll là. Il faut dormir et reroll jusqu'à demain matin quoi. C'est sad hein, mais c'est la vie. Je crois que là on a eu des bisons faibles. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres, mais en vrai je crois que pas du tout. Regarde quand même parce que ça se trouve il y a d'autres troupeaux donc on sait jamais. Et si je commence par le bison, sachez que c'est parce que c'est quasiment le plus facile, hein, vraiment. En vrai, ils sont pas trop alertés rapidement et tout, genre c'est, je pense c'est le plus facile quoi. Après pour trouver un bison or, c'est peut-être pas le plus facile. Ouais. Fume-en un avant de recommencer. Ouais, je peux. Je vais quand même essayer de faire un mal. Mais là, je sais pas où ils sont. Je me suis un peu perdu. Le loup est très simple aussi si tu le chopes quand ils font la sieste. Ouais, c'est vrai que des fois, ils sont ultra posés, tranquillou. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, je m'approche peut-être rapidement des bisons là. Je sais pas trop où je suis. Ils ont peut-être déjà fui, je sais plus. Ah, voilà. Bon, on y va. Bon, on s'en fait un. On s'en fait un. On va prendre celui-là. Hein. On va s'approcher. Un peu plus encore. Je regarde si on n'a pas de candidat là. Non. Ça, c'est un caribou de dingue, non? Vous avez vu ses cornes? C'est un caribou de fou. Il est à quelle distance? 300 mètres. Je peux peut-être tenter la tente là. C'est un caribou de malade. Il est incroyable. Caribou, c'est 6. Vous avez vu en haut à droite ou pas? Caribou c'est 6. Oh, ça va être chaud. Il faut que je l'aie.
Oh là là, les amis! C'est le caribou magique! Celui-là, il est. Celui-là, il est correct. Faut que je le retrouve. Il était où? Oh, pitié qu'il n'ait pas fui à cause de la tente. Je sais pas la portée du bruit de la tente. Oh, pitié, non. Je le vois plus. Non. Pas comme ça. Il était magnifique. Je crois que la tente. La tente nous a baisé. Putain, la tente, ça fait un bruit incroyable, hein. C'est vraiment un nerf de fou, hein. Je me doutais pas que c'était à ce point-là. Genre, je pensais que 300 mètres c'était. Ou 400 mètres c'était ok. Mais lui, il était hors, hein, c'est sûr. J'ai vu les cornes, c'était abusé, hein, vraiment. Après, ça se trouve, je vais pouvoir le retrouver, hein. S'il a laissé des traces, en vrai. Y a moyen. Putain, il est plus là, là. En fait, je sais plus exactement où il était, j'aurais dû le marquer. Ah, il est pas là, hein. Bon, après, il est pas forcément parti ultra loin, hein, vraiment, mais. Là, il était parfait parce qu'on avait un angle. On avait une vue parfaite, quoi. Regarde ta map. C'est là que j'ai vu. Donc c'était à peu près là que je l'ai vu. Donc il a fui. Je vais aller chercher des empreintes en espérant qu'il en ait laissé. J'ai confiance. On va retrouver le caribou. As-tu la peau choc des bois? Ah, j'aurais dû le prendre. Merde. Je vais le prendre. Allez, hop. J'aurais dû le prendre. Hop. Y a du bruit là. Mais en fait, Patrice, il me bait trop en fait. Il me saoule. Il me bait. Il fait des bruits. Genre, il est chiant. Putain, dommage. On voit pas des caribous pareils tous les jours, je peux vous le dire. Mais c'est ce que je vous avais dit, hein. La difficulté, c'est qu'en fait, j'ai pas forcément l'arme qu'il faut au moment où je vois la bête. Donc, c'est ce qui est difficile, quoi. Merci Icurfeza pour les deux subs offerts. Et Marin. Et merci. Adieu mes gros points de chaîne. Ouais, s'il y a une prédiction là, j'avoue que. Après, la prédiction était un peu obvious, hein. C'était quasi impossible que j'ai un trophée or avant l'heure qui a été mise. C'est tellement dur à faire que. Ne pariez jamais sur oui, quoi. Ça n'arrivera jamais. Enfin, les chances pour que ça arrive sont infimes, quoi. Aussi rapidement, c'est infime. C'est impossible. Bon. Il est plus là. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a des empreintes? Merci, Valou. Je crois qu'il a. S'il a pas laissé d'empreintes, par contre, j'ai trop le seum, quoi. Il était là, l'enfoiré, putain, il était là. Hein.
Je peux pas tenter le shot. Je vais le laisser partir, je vais le laisser partir. Je vais l'appeler. Là, il est en panique. Là, il se calme. Voilà. Voilà. Très bien. Je suis désolé, hein, je m'en fous de la prédit, j'en ai rien à foutre, je vais pas tirer. C'est trop risqué, je tire pas. C'est de la patience la chasse. Vraiment, je me fous de la prédit, je suis désolé. Je dois faire un tir au cœur parfait, j'ai une arme pas très puissante donc. Je peux rien risquer. Ça c'est bien ça. Ok, ça c'est bien. Je vois pas trop, je comprends pas comment il est en fait. Je comprends pas trop. Ah si, si, si. C'est mort. Dommage. J'ai cru, mais j'ai. Fuck. J'ai tiré dans l'arbre. Vous croyez que le jeu il a bugué là? Grid. En vrai, non, c'est pas de la grid, hein. J'étais à 150 mètres, j'étais bien. Je crois que le jeu il a bugué si j'ai tiré dans l'arbre. Après, en vrai, s'il est intact, si je l'ai pas touché, c'est mieux. Parce que je vais pouvoir retenter ma chance. Bon, dans une demi-heure, parce qu'il va courir pendant une demi-heure. Mais en vrai, c'est mieux. Je crois qu'il a pas été touché, hein. Non, il a pas été touché. Il a pas été touché. Écoutez, tant mieux. On va pouvoir retoucher. Ouais, y a pas eu de. C'est un tir à côté de lui qui l'a fait paniquer, donc. On va pouvoir le retenter là. Il s'est un peu calmé, il s'est mis au trot. Je vais me calmer aussi. C'est bien, c'est bien. T'as tiré trop bas, je crois. Moi, je vois bien un bug de l'arbre, hein, parce qu'en vrai, j'ai tiré correctement, mais. Bon après, j'ai sûrement pas fait le tir parfait, mais genre, gaffe au vent. Ah putain de merde. J'avais pas vu qu'il y avait autant de vent là. Hop, j'ai plus d'odeur. Par contre là c'est la pire végétation, ça fait un bruit de ouf. Faut vraiment pas qu'on soit là-dedans, sinon ça va être la merde. Caribou au pas, ok. Les caribous, on peut, ils ont peur, mais pas, c'est pas ultra chiant à chasser en vrai. Ils ont pas si peur que ça. Genre là, il s'est arrêté super vite. Hein. C'est un truc de ouf. Galop, ok. Vas-y, faut qu'on sorte de cette forêt de merde là. Bon courage pour le renard gold. Oui, bah oui, ça va être marrant ça. Merci Gizmo et Wakayo et Jacques Ibrel et Valou et Nadou. Merci beaucoup. Bon, ça va être galère là. On est dans un. Dans un endroit pas facile. Je sens que ça va être. Non, c'est mon premier Artemix. Je sens que ça va être compliqué. Je sens qu'il va courir longtemps. Mais on va être patient, hein. Merci Lilian pour le sub. On va être patient, hein. On y croit. Essayez de contourner par le vent, pour le vent. Je vais le perdre si je fais ça.
Si je suis pas les empreintes là, je vais le perdre. Genre s'il change de direction, je suis foutu quoi. En gros. C'est chaud. On va marcher jusqu'à ce qu'on sorte de ça, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, je continue à... Ah là, c'est pas mal, on aurait pu le voir là. Il y avait un... Nope. Après, je pense qu'il est plus loin que ça encore. Il a bien tracé. Il y a le vent qui est pas avec nous en plus, donc ça se trouve, il trace tout le temps dès qu'il nous sent. Dur, dur. Ah, vous voyez, il a tourné là. Donc, si j'avais contourné par là, par exemple, je me serais fait avoir. Pas facile. Ah non, attends. Quoi? C'est toujours par là. Le cerf en une balle, ou bien il est blessé, il faut le poursuivre, etc. Le caribou? Non, normalement, faut le one shot. Hein. Sinon, le trophée est pas hors, je pense. Faut vraiment le one shot. Il est passé par là. Fraîche. Je suis un peu en train de le perdre là. J'aime pas. Je comprends pas où il est parti en fait. Je suis en train de le perdre là. Je sais pas. Faut juste toucher un organe vital. Ok, donc poumon, ça passe quoi. Putain, mais je l'ai perdu! C'est pas possible! Il a fait demi-tour, vous pensez? Ça paraît bizarre vu cette trace-là. Il a peut-être fait demi-tour, hein. Je crois qu'il a fait demi-tour, c'est bon. Sauf que là, je sais plus trop. On va regarder sa merde. C'est sa merde? C'est sa merde. On va regarder s'il est proche. On s'accroupit, on sent. Fraîche. Pas ouf. Parce qu'après, il y a très fraîche et il y a à l'instant. C'est-à-dire que là, il est... Il est potentiellement assez loin. Il est potentiellement assez loin là. On va tracer un peu. Bon après des fois je me fais bait par ça. Hein. Des fois ça te dit fraîche et en fait il était devant toi donc. Ah il a complètement dégagé en fait. Hein. Pendant tout le temps qu'on était à droite là il était déjà parti en fait. À moins que attends. Oh non. Me dis pas que les traces là rejoignent celles là. Ça va me tilt. Oh. Ouais. Oh non. Ça sent. Il est retourné au point d'eau. Ah, il a refait son... Il a potentiellement refait son schéma là. On pourrait... Ça peut être intéressant. Ça peut être bien. Ça peut être bien parce qu'il va... Il va se poser. Il va se poser, on va pouvoir retenter un shot. C'est dur hein. En vrai mon premier tir il aurait pu être bon mais il était pas bien, il y avait les arbres. C'était un peu unlucky. Le fait qu'il y ait les arbres comme ça et tout ça m'a un peu... Ça m'a un peu ruiné mon tir quand même. Mais on a vu un petit coup de chance, c'était pas mal. Pense à faire ton F.
F? C'est quoi mon F? Merci Patrick Sanchez pour les 2 mois. F.0. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pas fait la dernière fois. Je crois que ça a pas empêché mon tir parce que j'étais à 150 mètres. Mais ouais, il faut. Fraîche. Bon, après là, c'est bien. Il y a de l'eau devant donc c'est parfait. Oh là 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 là. Ça sent pas bon du tout. Les traces, elles se croisent là. Ça sent un peu la merde, ça. On sait pas trop si ça c'est des vieilles traces. C'est pas clair, hein. Je crois que là. Ouais, vous voyez, ça c'est mes traces de tout à l'heure. On est en train de croiser les mêmes traces. Oh là 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 là. Complexe. Complexe, complexe. Pas sûr du bail, hein. Si seulement il était près de l'eau là, ce serait un miracle. Près de l'eau en train de se désaltérer là, ce serait parfait. Oh, il doit être proche quand même. Par contre, s'il a déjà refait un demi-tour, c'est foutu quoi. Ça peut être la merde. Mais où est-ce que t'es allé, gros con? En bas. Où est-ce qu'il est allé? Putain! Il a tourné là? Vous croyez qu'il a tourné et qu'il a refait demi-tour comme ça? Vous croyez que c'est ce qu'il a fait le con? Je crois que c'est ce qu'il a fait, hein. Il a fait demi-tour comme ça, hein. J'ai trop le seum, hein. Ah, peut-être pas. Si. Je crois. Ancienne. Ouais, on s'est fait avoir. C'est des anciennes traces. Il est pas là depuis. Il est pas là du tout. On s'est fait avoir. On sait pas où il est en fait. Mais putain, il était là! Pourquoi ça me dit ancienne? Mais c'est des cons! Pourquoi ça me dit ancienne? C'est débile. Bon, attendez. On est bien, on est bien. On sait qu'il est là. On sait qu'il est là. C'est bien. On va pas l'alerter plus que ça. On va être patient. Faut juste qu'on arrive à retrouver ses traces. Il est là. C'est pas encore perdu, hein. Ah, le vent là, il est dans ma gueule, là. Enfin. Dans mon dos. C'est à chier. Oh, ça va être galère. Ça va être galère, ça va être galère. Eh, je vais pas le lâcher, hein. Lui, c'est un gold, hein. C'est-à-dire que lui, si j'arrive vraiment à l'avoir, avec un tir correct, c'est bon, quoi. Donc, il faut absolument. Jours plus tard. Ah mais pour les vrais, vous rappelez que des fois il y a eu des pistes, des pistages, qu'on, des tracks qui ont duré très longtemps. Hein. Il sert à quoi le spray? Ça masque un peu ton odeur.
C'est utile quand t'as le vent derrière toi par exemple. C'est pas une solution miracle je crois mais. Allez, on retourne en forêt. LOL. Trop. Le vent, c'est ce qu'on voit sur la boussole. Oui, c'est ça. Et ouais, ça c'est un appôt à caribou, ça, le truc là. Ouais, je sais, oncle Bane, mais le problème là c'est que j'en ai un en fait, j'en ai un en or et je peux pas l'abandonner quoi. Ça, on trouve pas ça tout le temps quoi. Bon. Il a dû tracer sa race quand même, hein. Il y a encore trop là. Merci, tu me dois 2000 francs pour les 5 euros. J'y ai pas pensé, mais en vrai, c'est un truc qui me plairait bien. Merci Blizzrag pour les 27 mois et Parubrog et Kino Kazu et Patrick Sanchez. Merci beaucoup pour les subs, tout ça. Merci bien. On va l'avoir, ce connard. Mais je sais pas quand. De mon côté, je suis tapis dans l'ombre en attendant un renard gold. Oh bordel. L'enfer. Ah, j'ai pas hâte d'être au renard, hein. Je pense qu'on va se le garder pour la fin, hein. Il y a encore trop, putain. C'est le caribou gold là? Ouais, c'est le caribou gold. C'est ça. Il peut pas se mettre au pas là. Voilà, au pas, c'est bien. Bon. Là, on est dans une bonne situation. Il est au pas. Je pense qu'il a arrêté de courir partout, qu'il est moins en panique. C'est un élan. C'est potentiellement un gold, mais j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas l'arme. J'ai pas l'arme. Donc ça sert à rien. Je pense pas qu'il soit gold en vrai, il est pas hyper impressionnant. J'espère qu'il a pas fait peur à mon caribou, hein. Qui est toujours au pas. T'as une arme spécifique pour un type d'animal? Ouais, t'as un calibre spécifique. En gros là, cette arme là je peux l'utiliser sur les... Peut-être les grizzlies mais je suis pas sûr. Sur les bisons. Et ça je peux l'utiliser sur... Bon, ce qui ressemble un peu à des caribous au niveau de la taille et du poids quoi. Mais par exemple si je trouve un renard je peux pas lui tirer dessus. Si je trouve un élan je peux pas lui tirer dessus. Si je trouve un loup je peux pas lui tirer dessus. Si je trouve un canard je peux pas lui tirer dessus. J'ai pas les... Si j'ai pas la bonne arme... Pourquoi au trot? J'ai rien fait, vas-y, pourquoi au trot? Calme-toi un peu, il est hyper actif ce caribou là. Il me saoule. Il est débile. T'es bête. Du coup t'es obligé de revenir à la tente? Oui. Ouais. Sauf que quand tu déploies ta tente, là je l'ai pas sur moi je crois, mais quand tu déploies ta tente ça fait un bruit de fou. Genre on t'entend à 400 mètres quoi. Mets-toi debout, il est peut-être déjà loin. Bah là, là, je sais pas. Je vais regarder son caca. Je vais regarder son caca. Mais tout à l'heure, son caca, il était marqué ancienne et ça m'a bait, donc. Ancienne. C'est buggé ou quoi? En vrai, c'est buggé. En vrai c'est bugué, je vais même pas me lever.
Je pense que c'est un bait. Parce que tout à l'heure, j'ai vu ancienne, je me suis levé et je l'ai vu détaler. Donc cette fois-ci, je vois ancienne, je vais pas me lever. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça met ancienne, sachant que je pense vraiment que c'est celui que je viens de voir là. Mais bon. Ouais, il sème ses vieilles crottes pour bait. Il est très fort. Hein. Malin le caribou. Oh, j'aurais tellement aimé le voir là, là. Putain, genre. Avoir un espoir. Oh bordel, je vois rien. J'y vois rien. Sache que mon père qui est chasseur est à fond sur le live. Bah je pense que ça doit le faire pester un peu, non? Quand il voit mes techniques. Bon, il est au pas. Il est au pas, normalement on peut le rattraper, mais j'ai pas envie de me lever. Si je me lève, je sens qu'il va partir. Ça me fait peur. J'aimerais bien me lever et marcher, mais j'ai peur que ça le fasse partir. Je vous rappelle que c'est un caribou gold. Il a des bois magnifiques. On ne peut pas le laisser partir. On ne peut pas. Bon, peut-être que j'aurai un meilleur point de vue quand j'arriverai là-bas, c'est-à-dire dans à peu près un quart d'heure. Je vais le rappeler un coup. Je sais pas pourquoi là j'ai une impression qu'il est proche. J'ai comme un. Je sais pas. Là je stresse. Ah non, trop. Mais putain, il fait que courir et il me saoule. Il est tout le temps au trot. Il m'ennuie. Ça peut durer des heures. Hein. J'ai envie de le rush et de tenter un tir dans les poumons. Il me saoule. La peau sert à quoi concrètement? Bah normalement ça attire un peu son attention, ça le fait s'arrêter, parfois venir même. Reculer un petit peu. Mais bon, des fois c'est pas très efficace quoi. Merci Nixteria pour les 37 mois de sub. Merci beaucoup. Bon, il est où là? C'est trop là. J'en ai marre, c'est un caribou quand même. Je vais pas passer 3 heures sur un caribou. Peut-être qu'il sent le chien. Non, non, non. Sûr que non. Est-ce qu'il faut que je sois encore patient ou est-ce que... Là, il est ou pas. Putain. Est-ce qu'il faut que je continue à être patient, quoi. Ça fait combien de temps? Bah, regarde ma map. Hein. Regarde, on a fait ça. Paf! Ça fait très longtemps. Alors, je sais pas, je dirais que ça fait une demi-heure. Peut-être un peu moins. Le vent fait chier là. Ouais, j'ai pas de chance sur le vent non plus. Pas vraiment de chance sur le vent. Bon, on revient dans cette végétation maudite en plus. Ça fait. C'est bien sec, ça fait beaucoup de bruit. J'ai entendu là. On l'a entendu. Genre par là quoi. Merci Orozror pour l'année de sub. Merci énormément. Et Xanti pour ton prime, bienvenue. À l'instant, ok, il est là, il est là. Il est là. Il est juste là, le problème c'est que je n'ai aucune visibilité. Aucune. Le vent, le vent, le vent, il pique.
pile comme il faut pas, quoi. Le vent est pile comme il faut pas. Vraiment, c'est... Je vais essayer de me décaler un peu, mais ça changera vraiment pas grand-chose. Hein. C'est galère. T'es où? C'est dur. Ah mais quand on va la voir, on va faire une fête, hein. Vraiment. Moi je veux fêter ça, hein. Parce qu'on va la voir, hein, je vous le dis. Mais bon. Qu'est-ce qu'il est chiant. En fait, il s'arrête jamais de marcher, en fait. Il fait une randonnée. Du coup, c'est très dur. Là, vraiment, la prochaine fois que je le vois, je le bute. Hein. Vraiment, je tire. C'est pas grave. Le vent m'a niqué, ouais je pense que le vent m'a niqué. En gros là j'étais parfait, j'étais très bien, j'avais fait ce qu'il fallait. J'arrivais vraiment à côté de lui. Mais je pense que le vent m'a niqué. Le vent a dû me niquer. Ah, il est au trot maintenant, laisse tomber. Putain. Y a pas de galop, ça va. Je crois qu'il peut pas être au galop, non? Quoique. Je sais pas, je l'ai jamais vu au galop alors que tout à l'heure il était en panique. Enfin, je l'ai pas trop fait paniquer en fait. Je vois, il avait l'impression de sentir quelque chose. Je l'ai jamais fait paniquer vraiment. Ah, si, à un moment j'ai tiré à côté de lui quand même. Y a eu un galop? Ok. Ok. Bon, je vais perdre ma patience. Je crois que je vais perdre ma patience, je crois que je vais me lever, je vais courir vers lui. Je crois que je vais pas avoir le choix. Je crois que je vais pas avoir le choix là. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, je suis pas sûr de mentir, mais j'en ai ras le cul. Je crois que j'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Aucun organe touché. Non! Mais j'ai perdu ma patience aussi, il m'a saoulé! Il m'a saoulé! Ah, j'ai le seum. Là, ça sert même plus à quelque chose que. En vrai, je devrais le laisser partir tellement. Là, je l'aurais pas en gold, quoi. Terrible désillusion. Ah, bah là. Là, c'est terrible. Ouais. Ouais, d'accord. Il est. Je lui ai à peine fait une petite croûte. Je crois, là. Je crois que là, il s'en branle. Même Patrice, il est en mode ouais, là mon gars, là c'est mort là. Ça
Saignement très faible. Ouais, il a toute sa vie. Voilà, laisse tomber. Il a toute sa vie. Alors, en gros, je peux plus l'avoir en or, non? Les, ceux qui savent. On est d'accord que là, c'est foutu. Si. Ah bon? Faut toucher un organe vital avec la deuxième. Ouais, mais il faut avoir le bonus de mort rapide. Ok, bon, ok. Est-ce que je continue à le tenter? Merde, j'ai sauté. Patrice. Pas bouger. Il est pas loin. En vrai, il est pas loin. Mort rapide, c'est que pour la thune. Ok, donc faut que je touche un organe vital maintenant et peut-être que... ça va marcher, quoi. Faudrait que je vois s'il arrête d'être au galop un moment. Mais il faut pas que je me laisse trop distancer. Là, il court tellement que je me fais distancer. Galop, galop. Tant qu'il est au galop, je vais courir. Ouais, hey, t'es un ouf. Ouais, tu veux quoi? Mais c'est des malades mentaux. Mais je vais mourir. Il est où mon kit? C'est quoi mon kit? Mais il meurt! Ça pour rien. Ah, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer. Ça me bute. Quand le chien aboie, c'est que tu te fais charger. Ouais, bah ouais, j'ai bien compris maintenant. Oh, c'est nimpe. Mais quelles sont les chances pour que... Pourquoi ils m'attaquent? Ils sont complètement malades ou quoi? Ils sont complètement cons aussi. Oh là 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 là. Là ils m'ont eu en trophée or. Ils m'ont eu en trophée or, ils sont contents là. Bon, et bon, on va repartir sur le bison. Je crois que là... Caribou, c'est bon. Putain, mais le caribou, j'ai de choc. Hein. Le premier tir, j'ai de choc. Et le deuxième, j'ai de choc aussi. Je ne peux que m'en vouloir. Bon.
Est-ce qu'il y a du bison ici? Ou du caribou? J'ai trop le seum. Merci Reborn pour les 52 mois, c'est gentil. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On sait jamais, hein. Peut-être que le jeu va me récompenser. Casse-toi, Patrice, tu sers à rien. Tu m'as même pas aidé. T'es nul. Il y a du bison, mais ils sont partis. Je crois que c'est plus l'heure du bison là. Il faudra que j'aille dormir. Y a personne. Tout le monde est parti, j'ai raté. Falloir qu'on dorme et qu'on recommence, hein. Oui, bah fermez vos gueules, hein. J'ai bien capté que vous m'avez tué. Vas-y, ils me foutent le tilt, vraiment. Oh, on t'a tué! On t'a tué! On m'en bat les couilles! J'ai bien compris. Tout le monde le sait. Ils m'ont humilié, putain. J'étais avec mon vieux King là, je savais pas quoi faire, je tirais à côté. Quel enfer. Quel enfer. C'est pas ce qui m'intéresse. Il y a deux mâles, mais deux mâles moyens, enfin qui sont pas bons quoi. Ils m'ont l'air trop légers en fait. Ils m'ont l'air. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Je pense que c'est trop léger ça. Tire-en un pour faire du bien. Le problème là, c'est que je suis loin. Et j'ai pas l'arme qu'il faut. Enfin, j'ai l'arme qu'il faut, mais c'est le King. Du coup, faut que je sois proche. Quelqu'un m'a dit que je pouvais tirer dans la tête. Et que ça ruinait pas le trophée sur les bisons. On peut le tenter. Bon, vas-y, on va voir ce qu'on fait. Info de chat, ça a été patch. Bien. Voilà. Est-ce que je fais celui-là? Ou celui-là, ou celui de gauche? Ou celui de... Attends, il y en avait un autre. Ou celui de droite. Celui de droite a l'air plus gros, non? Merde. Celui-là a l'air plus gros là. Que celui-là. Celui-là est plus gros. Avec le King, il va falloir que je sois très proche. C'est-à-dire genre 100 mètres à peu près. Un peu moins même. Ça va être un peu compliqué, je vous le cache pas. Merci, tu me donnes 1000 francs pour les 5 euros.
Le père chasseur du viewer, il a dû éclater l'écran et partir en claquant la porte. Je pense, en vrai, si on peut avoir une update sur le chasseur professionnel qui me regardait, je pense qu'il est pas content de ce que j'ai fait pour le caribou. Je pense qu'il a pas trop kiffé le tir, le deuxième tir là. Alors que j'aurais pu prendre mon temps. Je pense qu'il a pas kiffé. Merci Basilou pour les 500 bits. Merci beaucoup. Ça va, il a râlé mais il va bien. Bon, dis-lui que je vais pas le décevoir pour le bison. Sauf que là, j'ai que 100 mètres de portée, du coup c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de pas le décevoir quoi. En plus, faut que j'ai un organe vital là. Comme ça là. En vrai, c'est compliqué hein. Je vais aller en pas latéral, mais surtout que si l'un d'eux me voit, c'est foutu. Poumon faisable là. Ouais, sur le côté quoi. Je vais m'approcher encore sur le côté, en fait. En fait, je veux pas toucher sa tête et là, je peux toucher sa tête. Patrice, j'espère vraiment qu'il fait pas de bruit. Hein. Je pense pas qu'il fasse de bruit, mais c'est un free kill là, non? Là, je peux là? Genre là? Bah rip. C'est non. Je sais même pas lequel est le bon. Mais c'est abusé aussi. Mais il meurt jamais. Genre, il se passe quoi aujourd'hui? Genre, il était là et il s'est rien passé en fait. Il lui arrive rien, il va très bien. Je comprends pas. Pourquoi ça a pas marché en fait? Regardez, ça n'a rien fait! Saignement très faible, ça n'a rien fait du tout. Je comprends pas. Ça fait deux fois que je tire sur. J'ai des tirs ok et ça ne fait rien. Bon, on va reset, hein, c'est bon. Vraiment, ça lui a rien fait. J'ai un king. Le king, normalement, ça les couche. Là, il s'en bat les couilles. Fallait peut-être être plus proche. Bah ouais, mais bon. Je sais pas, quoi. C'est quand même spécial. Le king est quand même censé avoir. Le king est censé avoir quand même 100 mètres de portée, quoi. Quel type de balle pour le king? Des balles blindées. Conçues pour délivrer un choc dévastateur quelle que soit la distance. Je sais pas. Oh, les petites cornes de merde. Ah, ça me saoule en fait parce que ça n'a rien fait et je vais juste leur courir après. Et ça va être long quoi. Parce que là en fait il est en train de perdre 1 ml de sang. Ouais ça va, il est quasiment. Ce sont les bonnes balles pourtant. Mais ouais, elles sont bien les balles là. Elles sont très bien. Hein. Mais... Bon allez, on valide celui-là, qui sera un trophée bronze, bronze nul fer, truc comme ça. Puis tiens, toi par contre, t'aurais Je jamais dû. pense que t'es toi un ouf malin. Voilà. T'as fait une erreur. Argent, ça aurait pu être en or. Voilà. Si c'est possible. Non, en vrai, non. Premier tir. Si je, je crois que si je lui avais pas tiré dessus, j'aurais pu l'avoir en or. C'est possible. Je sais pas.
Ah non, parce que mes premiers tirs n'étaient pas dans des organes vitaux. Mes deux premiers tirs n'étaient pas dans les organes vitaux. Donc ça veut dire que le troisième... Non mais c'est en fait, Chewbacca, en gros... Si mes deux premiers tirs n'étaient pas organes vitaux, c'était mort. Parce que je devais en mettre un troisième pour un organe vital. Donc j'ai pas de choc en fait. Par contre, là où j'ai de choc, c'est que le premier tir, s'il avait été réussi... Attends, mais j'ai tiré beaucoup trop... C'est intéressant en vrai. J'ai tiré beaucoup trop à l'avant en fait. Largement trop à l'avant en fait. Je me rendais pas compte que les bisons c'était comme ça. C'est là en fait. Je pensais que c'était là. C'est là. C'est bizarre, quoi. C'est cette partie là. Ça là. Cette partie là qu'il faut toucher. Oh ta gueule, Patrice! Oh rip, ça aurait pu être un gold encore. Si j'avais touché le cœur ou le poumon. Je suis dégoûté. Après, il était pas dans une position très facile. Ouais. Putain, ça me saoule. Je fais nimp là. On apprend. Ouais, on apprend. Mais putain quand même quoi. Bon, nouveau jour. Peut-être nouveau troupeau. On a entendu un bison par là-bas. On va aller voir. Tu as pas la 300 pour les tirs de plus loin? Bah là, je l'avais pas sur moi. J'ai gardé une autre arme pour les caribous. Sachant qu'il y a beaucoup de caribous ici, je décide de la garder, mais bon. Avec la 300, ça aura peut-être marché, je sais pas. Non, en vrai, j'ai tiré avant les poumons. En fait, j'ai tiré devant les poumons, donc ça n'aurait pas marché dans tous les cas. Quel dommage. Je vais m'enlever ça parce que ça me bait. Non, en vrai, mon premier tir était ok, hein. J'étais à la bonne distance et tout. C'est juste que j'ai visé trop en avant. Si je vise un tout petit peu en arrière, c'est bon. Vraiment. Aucune possibilité d'avoir un meilleur viseur sur ton king. Non. Non mais vraiment, c'est juste une histoire de tir. Si je tire un peu en arrière, j'avais le gold. C'est tout. C'est juste que je savais pas que c'était... En position allongée, en fait, ça a tout déréglé. J'avais pas mes repères. Du coup, j'étais pas bien. Parce que sinon, en fait, juste mon repère facile, en fait, s'il est debout... C'est juste que je tire au-dessus de la patte, tu vois. Si je suis sur son flanc, je tire au-dessus de la patte et j'ai le poumon. Mais là, comme il était allongé, bah c'était un peu bizarre. C'est juste que j'ai pas d'expérience, quoi. Maintenant, je saurais s'il est allongé, qu'il faut viser un peu plus en arrière. Mais c'est pas facile. Bon, par contre, j'ai entendu un bison dans le coin et je le vois plus, là. Je vais où, là? Ouais, c'est pas mal, ok. Ils doivent être au point d'eau qui est... Au point d'eau qui est là. Faut que j'aille me moucher, mais... Mais les bisons, c'est plus important, là. Mais j'ai vraiment envie d'aller me moucher, ça me stresse. Bon, vous êtes où? J'arrive pas à... Oh bordel, ils sont où? Oh, ils sont où? Caribou. Mini-corne. Vous voyez les cornes de merde là? Eh bah ça, on s'en fiche. Putain, c'est vrai que l'autre, il était impressionnant. L'autre caribou était vraiment impressionnant. Parce que là, on voit que ça, c'est à chier. Il est tout nul, hein. Vraiment.
Il est tout pété. Il me fait honte. On dirait qu'on lui a coupé ses bois. Ah! C'est un beau mâle, hein. C'est un beau mâle, j'ai envie de le tenter, hein. Je crois qu'il n'y en a pas de plus gros dans le troupeau, là. Oh, lui. Attends. Ah, il y en a peut-être. En vrai, j'ai envie de tenter celui-là. Il est parfait, là. Si je m'approche et que je peux l'avoir à 100 mètres, il est parfait, en vrai. Je pense pas qu'il y ait mieux, là. Je me demande, dans le fond, s'il n'y a pas mieux. Lui, il m'a l'air bien. Au fond, là, il y en a un vénère, hein, je crois. Mais il faut que je m'approche beaucoup plus que ça, c'est ça le problème. En gros, si la King n'a pas vraiment une portée de 100 mètres, je suis foutu. Par contre, si la portée est vraiment de 100 mètres, je peux faire un tir. Ça va être chaud au niveau de la portée. Ne troll surtout pas celui-là. Bah normalement là je peux pas le troll. Ça peut être l'arme qui peut me troll en fait. Je peux me mettre quasiment dans l'eau et réussir hein, mais... En fait je peux aller droit dans le lac là. Et ça peut marcher. Mais... Je peux... Enfin sinon je fais le tour du lac mais... Pff, laisse tomber l'angoisse. Oh putain de merde. Je fais le tour. En gros faut tirer à peu près ici là. On est d'accord. Je tire là. Là où je vise là. Bon, je le tente. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud le viseur. C'est chaud le viseur, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Ça me fait vraiment peur. Vraiment, je comprends pas cette arme. Je vous jure, je comprends pas cette arme. Je comprends pas cette arme. Je suis à 100 mètres, ma mire elle est à 100 mètres, je tire dessus, ça fait rien quoi. Pff, vraiment. Je comprends pas. C'est très dur là. De la frustration est grande parce que je comprends pas en fait. Tout le monde m'a dit que 100 mètres je pouvais tenter le coup, mais. Ah, c'est pas mal. Organe vital touché, ok, c'est bon. C'est juste qu'à cette distance, je me suis dit que c'est organe vital avec un king, je me dis que ça pourrait one shot. Mais apparemment, non. Mais attendez, on est peut-être bien, on est peut-être bien. Après, c'était. Au niveau de sa taille, on n'est pas sûr du poids là. Enfin, au niveau du poids, on n'est pas sûr. C'est peut-être pas assez bien. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Faut double poumon. Ah ok. Là j'ai pas pu double poumon effectivement. En vrai là je peux gold. En vrai je peux gold. Quoi? Pourquoi il y a une grosse tache au début et après il se passe rien? Ouais. Allez normalement c'est bon. Allez, notre premier trophée or après toute cette souffrance. Eh, franchement, il est gros. En vrai, il est gros. On rappelle qu'on n'aime pas ici la souffrance animale. Hein. Tout va bien, c'est du virtuel. On est là pour le challenge. C'est un très gentil bison.
Et nous ne lui ferions jamais de mal en vrai. C'est quand j'ai vu son visage que ça m'a fait du mal. Allez, or! Il fait moins de 900 kilos. Sinon, c'était parfait. S'il fait plus de 900 kilos là, c'est de l'or. Mais c'est pas de l'or. Ouais, le score or c'est 148 et j'ai eu un 143. Énorme coup dur. Énorme coup dur, mais en vrai, je suis content. Parce que au moins, c'est bon, on est sûr de la technique. La technique est bonne. Même là, c'était bon. Avec ce tir un peu moyen. Donc on est ok. Je suis dégoûté. Mais pas tant que ça. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Franchement, ça c'est ok. On aurait pu même avoir le double poumon, mais apparemment le... Ah oui, ça s'est arrêté juste avant. Si j'avais tiré tout droit, en fait, là j'étais... C'est pour ça que je voulais absolument être devant, flanc. Parce qu'en fait, vous voyez là, comme je tire depuis ce côté-là, ça va en biais et ça n'a pas assez de pénétration pour continuer. Alors que si je tire tout droit, comme ça, ça va tout droit et je fais double poumon. Et du coup, il tombe. Merci Justin. Merci beaucoup. Pourtant, mais t'as même pas sub, t'as juste dit bonjour. Merci d'avoir dit bonjour, Justin. Je valide bon merci quand même. Merci à toi. J'ai cru, en fait j'ai cru voir un truc de sub dans le chat, pas du tout. Mais merci d'avoir dit bonjour en tout cas. Non mais voyez, l'importance d'être sur le flanc. C'est pour ça que je voulais le faire depuis... En fait je voulais le faire sans traverser le lac, pour avoir ce point de vue. Mais bon. Bon, on s'est fait avoir. Est-ce que je continue à tracer le troupeau? Attends, ça se trouve il y a un mal de fou là. Non. Non, c'est que des femelles, des petites femelles. Ça, c'est pas un 900 kilos, ça, on est bien d'accord. Regardez-le. Il est pas... il n'inspire pas... Regardez, la femelle à côté, elle a la limite plus grosse que lui. Genre, non, c'est mort. Dommage. Merci Toasty Times pour les 5 euros. Merci Norian. Merci Logic pour l'année de sub. J'ai pas déjà resub il y a quelques jours, mais ça l'avait peut-être pas dit, tu sais, des fois faut le partager le resub, c'est un peu bizarre. Merci Super Bleu pour les 38 mois de sub. Bon, ce qu'on va faire, on va checker vite fait s'il y a d'autres... Elle est seule? C'est bizarre. Oh. Il y a pas de mal. Y'a pas de mal là-dedans. Je crois qu'on va reset. Ah! Lui, il m'a l'air... Merde, il est où? Quoi? Où est-ce que je l'ai vu? Ah. Lui, en vrai, y'a un candidat là. Là, il y a un candidat. J'ai pas le vent, mais il y a un candidat. On va avoir un problème, encore une fois, de... Faut que je traverse. Faut que je traverse la rivière. En gros, non level 3. Oui, mais non, mais tu vois, tout à l'heure, on avait plus de 900 kilos en level 3. Donc ça peut le faire. C'est pas... Il y a peu de chance. Ah, il est petit, hein, quand même. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte. Il m'a l'air bien gras. Un peu dodu. Mais... T'as oublié mon don. Mais non! Je le vois pas. Mais si, je le vois, merci pour les 500 bits. Je suis désolé, Bazibou. Merci beaucoup. Moi, j'y crois. Écoutez, on le fait, et si ça marche pas, on reset. On dort et on réessaye. C'est un jeu de chasse ou Masterchef, je pleure. Mais non, mais tu vois, il est... En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que s'il fait pas plus de 900 kilos, j'ai aucune chance de l'avoir en or. Du coup, là, je suis en train d'évaluer un peu le bestiau, tu vois. J'évalue la pièce. C'est important. C'est important, en fait. Il est pas énorme. Non, il est petit, en vrai. Pour moi, ça, c'est du 850-800. 800-850. En vrai, il est...
Il est petit, hein. Il est petit, je trouve. Je trouve que ça sert. Je le tente, mais en vrai, il est pas impressionnant du tout, quoi. Et la rivière, encore une fois, la rivière qui nous empêche, hein, comme d'habitude, de tenter un shot purement perpendiculaire. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Non, d'accord, ok. Ok, je bouge plus, je fais rien. Y'a pas de problème. Calme-toi. Calme-toi. Où tu vas? Calme-toi. Où tu vas? Tu vas où? Calme-toi. 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 Bois. Bois, y'a pas de problème, bois. Voilà, c'est bien. C'est le vent qui m'a niqué là. Vous savez que là, ce qu'il vient de faire là, c'est le vent. C'est pas ma faute, hein. Quoi ce bruit? Mais putain, mais. Patrice! On est à 130 mètres, on va pas tarder. En plus, il s'est tourné comme il faut pour moi là. Là, je peux le contourner. Il s'est tourné exactement comme il faut. On va pouvoir tenter le one shot. On va vérifier ma théorie. Bon, les amis. Ah, il y a une prédit. Est-ce que c'est un gold ou pas? Let's go. Moi, je vote non. Je dis que non. Je pense que c'est pas un gold. Combien de kilos? Ah ok, je peux pas voir la prédit. À 115 mètres, à partir de 100 mètres je pourrais réfléchir à un tir. Pour l'instant je peux pas. Vous allez voir que la prédit va être annulée parce qu'il va partir en courant, ça va être marrant. Soyons patients. J'ai fait tapis, chala, c'est bon. Ok. 94 mètres. On peut commencer à réfléchir à un tir. Non, 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 pourquoi tu tournes? Tu fais quoi là? Encore une fois mon tir qui ne fonctionne pas. Oh là, tu fonces sur moi là par contre. C'est sur moi que tu fonces là. C'est sur moi que tu fonces là. Ok. Oh, si tu fonces sur moi. Bon, je vous rappelle que deux tirs c'est correct pour un trophée or, ça n'invalide pas. L'essentiel c'est qu'un des deux tirs ait touché un organe vital. Et que le deuxième n'ait pas touché un organe... Enfin je crois. Let's go! Let's go! 889 kilos? On est juste au-dessus. Il fallait 148,10, on est à 149. Je ne comprends pas pourquoi ça a marché, mais ça a marché. J'ai fait le double poumon. J'ai fait le double poumon, il n'est pas mort! La théorie était fausse! Regardez! On m'avait dit double poumon, ça OS, il a pas été OS. Let's go! Ah oui, oui, oui! Oui, oui, oui! Oui, monsieur, dame. C'est un trophée or. Et là, vous allez voir en haut. Hein. En haut de votre écran, ça va bientôt s'allumer. C'est bon. Le bison, c'est fait. Ah, let's go. Nice. Bah, du coup, moins de 900 kilos, ça peut être en or, apparemment. Intéressant. Alors, le bison. Oh, regardez en haut de votre écran là. Yes! Il est en jaune. Il est validé. Parfait. Mettre de côté. Ouais. C'est fait. Ah. Bon, après les bisons, je vous ai dit, les bisons c'est les trucs les plus simples. Hein. C'est le plus simple.
On va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire. Le renard et le loup. J'ai pas envie. Le canard, j'ai pas envie. On va faire le caribou ou le grizzly. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le caribou pour la vengeance ou le grizzly? Le grizzly, c'est à quelle catégorie? Caribou? Sondage. Faites un sondage. C'est catégorie 7, le grizzly. Bon, du coup, dans tous les cas, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de la king qui ne nous servira plus jamais. Pour ce challenge. Plus besoin de la king. King que j'adore, hein, qui est une arme de fou furieux, mais vraiment, la portée, elle est dure. Paf. On va prendre du 2, du 300, du 270. Attends. 4, 8, 7, 9. Ouais, c'est bien. C'est parfait. On va être assez polyvalent là en vrai. C'est pas mal. Et si on fait. On a eu le sondage ou pas? Non. Vas-y. Le prochain. Grizzly ou caribou? Allez-y, votez vite fait là. Entre grizzly et caribou. Je regarde pendant ce temps-là mes leurres, mes appos. Si j'ai des trucs intéressants pour le grizzly. J'ai rien pour le grizzly. Est-ce que je l'ai débloqué ou est-ce qu'il y a un truc? On n'aura rien pour le grizzly, je crois. Oh les dindons! Ok, apparemment vous voulez le grizzly, du coup on va faire le grizzly. Est-ce que j'ai sur ma map... Est-ce que sur ma map j'ai des zones à grizzly là? Sachant que sur ma map, vous voyez qu'il y a plein de trucs que j'ai pas découvert, hein. Notamment ici là, je pense qu'il y a plein de trucs, mais on sait pas ce qu'il y a en fait, on sait pas ce que c'est. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ces zones-là, mais je sais pas ce que c'est. Du coup, les grizzlies notamment, bah je sais pas où c'est, hein. Je sais pas où on trouve le grizzly. Bison. Quelqu'un a une info sur où on trouve le grizzly? Caribou. Ça c'était des élans. Ça c'est une bonne zone pour les élans, c'est une très bonne zone. Si on veut refaire de l'élan, ça c'est une très bonne zone. En bas à droite près de l'eau. Donc là, ici. Ok. Très bien. Élan. On va y aller en quad. Apo fend en difficulté. Ah bon? Ours? Puma, lion, loup gris, loup ibérique. Ouais, mais ours, c'est pas pareil que grizzly. C'est pas écrit, mais ça marche. Ah, d'accord. Ils sont bizarres de pas l'avoir mis comme il fallait. D'accord, non, bah c'est bien alors. Top. Ça va nous aider, ça. Et ça marche pour le caribou, du coup, je vais le garder. Ok. Ah, je vais pouvoir me. Ça fait quoi ça?
Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Du coup, je vais pouvoir me moucher, et ça, c'est un plaisir. Ouais, non, mais je sais que le grizzly est un type d'ours, mais en général, sur les races qui sont compatibles avec les apôs, ils sont assez à cheval, quoi. Merci, c'est Flume pour les 11 mois de sub, Ice Snow pour les 23 mois, Lulupin, Lulupain, je sais pas, pour les 6 mois de sub. Foxyferne, merci pour les 10 mois. Merci beaucoup. Patrice arrive à suivre le quad. Ouais, t'inquiète. Ouais. Y'a pas de soucis. Vous savez ce qui est triste? C'est qu'on a déjà eu un élan gold. On a déjà eu un élan or, mais c'était avant. C'était juste avant cette mission. Du coup, il n'a pas été compté. Moi, je trouve ça assez triste. C'est pas juste. Parce qu'en fait, techniquement, on l'a déjà eu l'élan en or. Mais bon. Faut qu'on aille ici, faut qu'on découvre un peu la zone. On y va. J'ai eu quel gold? Tu peux le voir en haut, j'ai eu le bison. Le bison des plaines. Combien de diams tu as eu? En vrai, je suis même pas sûr d'en avoir déjà eu. Mais tu sais, je comprenais très mal comment ça marchait avant. Genre là, aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs sur les trophées en vrai. Je savais pas qu'on pouvait. Je savais pas que le tir n'avait pas à être enfin one shot, tu vois. Je pensais que s'il saignait pendant longtemps, ça invalidait le diamant par exemple. Mais selon ce que vous me dites, c'est pas ça quoi. J'ai déjà eu un diamant? Ok. Du coup, si je touche en moins de 2 balles un organe vital et qu'il meurt, je peux avoir un diamant. Faut juste que ce soit qu'il ait des cornes incroyables ou un truc comme ça quoi. Parce que quand tu as joué comme ça, parce que quand tu as joué avant, c'était comme ça. Ça a changé entre temps. Ouais, d'accord. Je vois, je vois. Donc c'est... Ok, ça... En fait, vous me disiez, mais j'aurais jamais de diamants, c'est trop dur et tout. En fait, c'est juste la chance de tomber sur un animal incroyable et... Et voilà, quoi. C'est malin, ok. Ça me rassure un peu. Je crois que tu as oublié les bières. Merde! Ah non, je voulais faire un dérapage. À la place, j'ai sauté de mon quad. Le mec saute de son quad pour aller chercher les bières. Allez, ça suffit. Je suis niveau 54 et j'ai 3 diamants. Ah ouais, c'est extrêmement rare quoi. C'est vraiment extrêmement rare quoi. Ça fait peur un peu. Ah, on va aller chercher celui-là. Grizzly! 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 Je sais pas où le toucher. Il est bugué, je peux peut-être arnaquer le jeu. Il est bugué, je sais pas quoi faire. Ça va être dur. J'ai 2 chances. J'ai 2 chances, il faut que je touche le poumon. Patrice, casse-toi. Casse-toi, Patrice. Pas bouger. Casse-toi. J'aimerais qu'il soit de côté en fait. Parce que là, de devant, je suis pas sûr de toucher là.
Ok, ça c'était pas mal. De devant, j'aime pas. De devant, j'aime pas. De devant, j'ai pas confiance. Ah. Et ok, il a le même pattern. Ok, c'est là que je vais avoir. Trolleur. Tu as pris la 300? Ouais, je crois. Attends. Oh! J'allais tirer dessus avec une 270. Oh, merci. Oh, merci. Oh là là. Quel enfer. J'allais faire une dinguerie là. J'allais vraiment faire une dinguerie. On a failli trop. Il m'a gavé. Oh, il me saoule. Tu me saoules! Ah, oh, c'était bon! En fait, je sais pas où tirer, je connais pas bien le grizzly. Ça me fait peur. Ah, c'est trop rapide! Non! Reviens! Je peux pas faire ça. Ah non, je peux pas faire ça. Putain. Mais quel enculé. Ah bah là, c'est mort. Au moins, on va l'avoir réglo, les amis. On va l'avoir réglo. Il est parti à droite. Ici, on n'exploite pas les bugs. Mais c'est une femelle. Attends, c'est vraiment une femelle? Je l'ai pas vérifié? Non mais j'ai fait ça? Je l'ai pas vérifié avec mes jumelles? En fait, depuis le début, ça sert à rien. Aucun regret du coup. Non, aucun. Absolument aucun du coup. Alors. Continuons d'explorer la map un peu là, pour la découvrir un peu. Chez certaines espèces, les femelles peuvent être gold. Ah ouais? Ah, je savais pas. Ça, je savais pas. Merci Nartax pour le raid. Merci énormément. Apparemment, tu as pipi. Félicitations. Putain, mais par contre, j'en ai trop marre. Je me mouche, mais ça veut pas sortir quoi. Attention au carambolage. C'est chiant. Va la chercher avec des doigts. Putain, mais j'ai vu un. Attendez, c'est quoi ça? Et toi, t'es. Putain, deux femelles. Putain, elles aiment pas les ponts, hein. Attends, mais je suis revenu sur mes pas là. Ah non, j'étais venu là. Ok. Elles aiment pas les ponts quand même, hein. Apparemment, c'est un problème, quoi. Ah bah attendez, je suis en train de les troller, mais regardez. Regardez.
Je vais exploser, c'est sûr, le jeu va me faire exploser. Ça va, c'est une femelle. Aïe. Non, c'est bon, tranquille. Je me moquais pour rigoler. Non, tranquille. Du coup on a vu trois grizzlies mais pas un seul mâle. C'est étonnant. En tout cas on sait où ils sont. En tout cas on sait qu'ici il y a du grizzly quoi. Ça c'est sûr. Le harceleur, je me moquais pour rigoler. Ouais. Bon. Eh, le grizzly, je sens que ça va être fait en 2 temps 3 mouvements. Hein. Je sens que ça va être incroyable. On va en trouver un vite fait là. Je vais toucher le poumon et ça va partir très vite. Hein. Je vous le dis. T'as réussi à résoudre le problème de chat avec le jeu? Oui. En gros, j'ai vérifié les fichiers du jeu, ça m'a retéléchargé 2 fichiers. Gain de niveau? Mais non. J'ai eu un gain de niveau? On va pouvoir améliorer un truc de fou? Je crois que j'ai un truc sympa à faire. Un point de talent. Ah, je crois que c'était pas les points de talent que je voulais. Ah non, c'est pas ça que je visais. Là, j'ai tout. Stabilise la visée plus rapidement. Ah, ça c'est avec un pistolet, je m'en fous. Augmente la vitesse et la précision des tirs au jugé, sauf pour les arcs et les arbalètes. Réduit la durée de rechargement des armes. Fusil. Augmente la vitesse de mise en joue. Augmente la vitesse de ralignement des viseurs lorsque vous pivotez. Réduit la bordure floue lors de l'utilisation des mires. Réduit le recul lors des tirs. Quelqu'un saurait me conseiller ce qui est le plus utile pour moi là. Tu joues jamais à l'arc? Non. Non, jamais. Je sais pas si quelqu'un sait ce que je devrais mettre. Je pense que je vais réduire le recul ou la vitesse de ralliement des viseurs. Ou bien même... non, bah non. Ça c'est pas très utile. Je vais prendre le recul. Voilà. Parce que carabine, j'ai tout mis donc. Allez, hop, on se pose pas de questions. C'est pas très important. Le recul, c'est pas très important si tu tires qu'une fois. C'est vrai. Concernant l'ours, quand il te repère, il se dresse face à toi, oui c'est vrai, sur ses pattes arrière, et en visant entre les deux épaules, tu tapes le cœur 100%. Ah, il faut qu'on aille ici. C'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien. Entre les deux épaules. Ok. Bon, je vais sûrement le rater quand je vais essayer, mais bon.
là, pour ceux qui comprennent pas, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de d'aller prendre des tours de guet, enfin des tours de des points d'observation, ce qui me permet de trouver les points de respawn, les aires de repos. Et une fois que j'ai les aires de repos, je pourrais me déplacer un peu plus facilement. Et éviter de perdre trop de temps à faire des voyages. En gros. Serveur GTA RP pour les events vous intéresse? Moi je suis pas très GTA RP. Du coup a priori non. Mais voilà, c'est juste parce que je suis pas très GTA RP, je pense que ça me. Caribou Gold. Il va me casser les couilles, c'est sûr et certain. J'aurais pu peut-être tirer ici, mais c'était compliqué. C'est parti. Il est beau, ouais, il est beau celui-là. Il est très beau. Enfin, gold. Je dis gold. Génial. Mais putain, mais je suis tout prêt là. Vous voulez que j'aille où? Non, mais. Ça se trouve c'est un caribou argent. Non mais vous avez vu ces bois? Je pense pas que ce soit un caribou argent quand même. Il était quand même Ouais non mais j'ai une C'est bon ça pour le caribou 270. C'est bon non? Bon, en tout cas, il faut qu'on le tente. C'était 6 caribous. Ok. C'est bon. Où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu là. C'est parti pour du pistage de merde. Un bon pistage de merde. Ce sera ma touche 7 pour le... Bon, pour l'instant, il... Alors c'est étonnant mais... C'est étonnant mais il n'est pas encore parti. C'est très étonnant. Il est vraiment tout prêt. Ça me stresse, je pense qu'il est tout près mais que je le vois pas donc c'est un peu chaud. Je suis pas sûr de mentir. Je crois que c'est pas mal. Organe vital touché. Nice. J'avais pas réglé ma mire mais c'est bon, ça a marché. Vas-y Patrice. Trouve-le Patrice. Je crois que c'est bon. Bon, ça peut être un or, ça peut être un argent. C'est pas clair. Après j'ai touché un organe vital donc normalement ça va pas durer 15 ans. Ouais, c'est bon. Là, la vraie question, c'est juste est-ce que avec ces bois-là et le reste, ça suffit quoi.
Est-ce que la vengeance contre le caribou... Ah, les bois, ils sont grands, mais ils ont pas l'air très complexes, en fait. Ils sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est 311, on a eu 304. Ta gueule, Patrice! On est à 7 sur 311. Quel dommage. Ah, l'envergure interne n'est pas bonne. Hein. Ainsi que la largeur de la palme. Largeur de palme. Je ne sais absolument pas, mais... Vous voyez la taille des corps? Le corps gauche est vraiment... n'est vraiment pas bon. Vous voyez ce... Le corps gauche a un vrai problème. Hein. Celui de droite est à 21, celui de gauche est à 15. J'aurais dû le voir directement. J'aurais dû le savoir. Patrice, la ferme! C'est un truc de ouf, hein, comme à chaque fois il est relou. Oh putain, il me gave, il m'a saoulé, tu m'as saoulé, Patrice, putain. Bon, dommage. On n'était pas loin, ça c'est sûr. En vrai, je suis plutôt content de ce que j'ai fait parce que j'ai mis la balle, j'ai même pas regardé où j'ai tiré, quelqu'un a vu l'organe? Mais en gros, j'avais un angle qui était pas évident et je l'ai quand même bien bien lu, donc ça va. Je suis content. Ça me va. Il saura jamais que c'est moi. Il m'en voudra pas. Vous y avez cru, hein? Jamais j'aurais osé. Il se met à aboyer tout le temps, là. Ah, j'y ai trop cru là pour le caribou. Mais c'est normal que j'y ai cru là. On était tellement proches que je ne pouvais qu'y croire, hein, vraiment. Oui, j'ai cliqué. Non, mais j'ai cliqué, hein. Mais le jeu il veut pas. Le jeu protège Patrice. Non. Ce serait étonnant qu'on voit quelque chose d'ici, mais je regarde quand même. Oh, le grizzly femelle. Ah, j'aurais tellement kiffé mettre un long shot dans son cœur là, un grizzly mâle. Ça aurait été incroyable. Bon, au moins, en fait, vous savez ce que je vais faire? En fait, on sait que les grizzlies viennent se désaltérer par ici, a priori. On peut pas attendre qu'ils soient en train de se désaltérer pour que ça marque sur ma carte. Ça se trouve, du coup, on peut dormir, on peut se mettre ici, et on peut attendre de voir des grizzlies. Allô? Caribou! Très facile. Non, il est nul. Vous voyez, maintenant quand vous voyez un caribou comme ça, vous savez très bien que c'est ridicule, en fait. Il est ridicule. J'ai même pas besoin de vous le dire. Regardez ses bois. Il est ridicule. Voilà. Ils vont faire quoi? Ils vont se boire un café, là? Ah, oh, non, tu touches pas. Tu touches pas. Ha ha ha.
La full panique. Tu laisses. Non, tu le laisses. Ok. Bon, en tout cas, vu d'ici, on a vu des trucs sympas. Hein. En vrai, c'est étonnant. Mais okay. Lâche. Ok, on a un point de TP ici, c'est cool. J'aurais bien aimé aller explorer cet endroit de la map, mais j'ai un peu la flemme. Du coup, est-ce qu'on se dit qu'on chasse ici? On se fait une bonne nuit de sommeil et on chasse ici. Je me dis que c'est une bonne chose. Par contre, j'ai pas les plages horaires. Parce qu'on n'a pas découvert vraiment de lieu de... Du coup, je ne sais pas à quelle heure me réveiller. Ici, t'as le canard or aussi. Ah. C'est bien aussi, ça. Et le canard, il me faut quoi? C'est quel genre de connard? De canard qu'il me faut? C'est un canard harlequin. Catégorie 1. 0,22. C'est une arme de poing, ça? Et quoi? Ok. Ok, c'est ça. Est-ce que j'ai la place sur moi là? Je vais laisser ma tente. C'est quoi la portée de cette arme? Cette arme ridicule. Mètres? Ouais, quand même. Mais du coup, comment on reconnaît un canard or? Et est-ce que si je mets des faux canards au bout de ce ponton, j'ai une chance de voir des canards? Oh, le canard. Dérisoire, femelle. Ok, j'ai un lieu de repos. Eh, sinon on fait les canards, hein. On peut tout à fait faire les canards, les amis. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Mal niveau 3 pour le gold. Ok. Ce jeu est génial. Je vous l'avais dit. Hein, The Hunter, quand tu te fixes des objectifs, c'est absolument incroyable. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. C'est extraordinaire. Bon, je vais dormir, je pense. Je pense que je vais dormir. Canard harlequin, c'est... On a le lieu de repos. Il me l'a pas mis. Hmm. Ah si. 7h30, 9h30. Ouais, il y en a peut-être que j'ai pas vu, là. Mal 2, ça passe pour canard. Ok. À voir. Check comment chasser le canard, il y a toute une méthode derrière. Mais si j'en vois un là et que je lui tire dessus, c'est bon, non? C'est pas bon? C'est juste que t'en verras moins. Ouais.
On va mettre des leurres. Parce que j'en ai. S'il est au milieu de l'eau, ça pose pas de problème. Je crois qu'il revient à la côte. D'une manière ou d'une autre. Il revient, je crois. Stockage. J'ai des canards. Ça suffira de... Ah, colvert. Merde. C'est pas bon. Enfin, je crois que c'est pas bon. Il fait la différence. L'heure à canard arlequin. Oh, il est magnifique! Mâle et femelle. Hop! Ah bah du coup faut que je mette des femelles. Ça va attirer les mâles, non? Ça sert à rien que je mette des mâles. Du coup, est-ce que je mets que des mâles ou est-ce que je mets que des femelles? Ou est-ce qu'on s'en fout? Merci Scroatech pour le subprime. Et merci Max Smith pour les 44 mois de sub. Et Cieloxy. Merci beaucoup. Osef. Ok. D'accord. Est-ce que si je les mets au bout de ce ponton, prends un affût terrestre, ils ont une très bonne vue. Ok. Alors, est-ce que le setup, ça peut être que j'en mets au bout du ponton, là? Non. J'en mets, genre, là. Moi, ce que je voudrais, c'est en mettre, genre... J'en mets une vingtaine ici. Comme ça là. Tac 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 tac. Je mets un affût ici. Et j'attends. C'est bon ou pas? Est-ce que je fais ça et après je vais dormir et ils seront toujours là? Désolé, j'ai plein de questions mais je veux absolument pas tout gâcher. Ok. Je mets des canards. Des jolis canards. Des beaux canards. Partout. Va falloir que je vois quels sont les vrais. Bon, je vais chercher un affût terrestre. C'est pas un peu beaucoup là? Bon, on m'a dit d'en mettre 20. Moi, bon, j'en ai mis 20, hein. Vous savez. Prends un appôt pour faire du bruit aussi. Ah, vous êtes à fond, hein. Vous êtes en mode full tryhard, quoi. C'est incroyable. T'as eu ton bison en or? Oui. Oui, c'est bon. Bon du coup, affût terrestre, j'en ai un je crois. Apo à canard. C'est pas bon. Comment on a un apo à canard? Je sais pas si ça suffit. Le canard beacon. Colvert, sarcelle, cannelle. Ça n'a pas l'air d'être bon. Sert à rien en vrai. Voilà, écoutez les professionnels. Vous avez fini avec vos bêtises?
Oh putain, c'est bon. Si je vois un ours, je vais péter un plomb. Hein. Ah, affût à oiseaux aquatiques. Ah, c'est ça qu'il faut, non? Je dois prendre ça en fait. C'est ça qu'il me faut? Probablement, hein. J'en ai jamais utilisé. J'en ai jamais utilisé, je sais pas comment ça marche. Ça va être incroyable. T'as combien d'heures de jeu? 107. J'avais déjà testé il y a longtemps. Ouais, je m'en souviens, mais je me souviens pas très bien en fait. Enfin, je me souviens que je l'ai fait, mais... Comme ça? Comme ça, c'est bien. Oh, je vais les défoncer. Oh, ça va être un truc de ouf. Comment... Oh là là, je vais les exploser en fait. Oh, est-ce que... Âme sensible, s'abstenir. Hein. Je vais faire un malheur. Vraiment, ça va être incroyable. Trop près. Bon, pas trop près. Ok. Ok. D'accord. Ouais, oh, c'est loin ça. Attends, quoi? Pourquoi ça passe de 30? C'est pas 140 mètres ça, hein. Écoutez, si j'en mets un là, vous allez pas m'embêter. Attends. Où est mon... Là, c'est bien là. Écoutez, si avec ça on n'a pas un canard en or, moi je ne comprends plus rien. Sachant que ils viennent à 7h30, 9h30. On va se mettre à 7h15 pour avoir le temps de s'installer. Et ça va être énorme. Préparez-vous parce que les canards c'est quelque chose. C'est... Mais attends, pour avoir en or, je vais devoir toucher là un organe vital, vraiment, leur petit cœur. Comment je fais ça, moi? Vous m'avez pris pour qui? Non. J'ai juste à le shooter, comme un sagouin. En attendant, on prend un truc à bouffer. Ah bah j'aimerais bien, ouais. Uniquement des faux canards. Grizzly femelle. Putain, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. On va se régaler, hein, niveau caribou et grizzly. Bon, par contre, on n'a jamais vu un grizzly mythique. Il est mythique. Il est mythique. Il est où? Il est où? Quoi? Il est où? Je l'ai perdu. Difficile. Mais il y en a partout. C'est incroyable, c'est des dingueries. Il est où le mythique? Il est où le mythique? Je l'ai pas vu. Je l'ai perdu. Là. Improbable, il faut que je l'aie, c'est pas possible. Il faut que je l'aie. J'ai pas mon arme. J'ai pas mon arme. Mythique! J'ai jamais vu ça de ma vie.
Jamais vu ça de ma vie. Mais comment je vais le toucher au cœur? Oh non, au poumon. Comment je vais faire? Je sais pas comment c'est un grizzly. Jamais fait ça de ma vie. Oh, c'est pas possible. Ça paraît pas possible. Ça paraît impossible. C'est trop. C'est trop pour moi, je peux pas. C'est trop. Je ne peux pas. Il est plus là. Il a bougé. C'est pas possible. Non. Non. Il est où? Non, hein? Comment je traverse? Je peux pas traverser. J'ai envie de péter un plomb. Non. Je crois que je peux pas nager. Si, là je peux. C'est pas possible. Comment faire? Non, c'est pas possible. Il est où? Il faut que je le retrouve. Il faut qu'il y ait des traces. S'il n'y a pas de traces, je vais péter un plomb. J'ai pas d'appo. J'ai pas d'appo pour les ours. Si, j'en ai un. Si, j'en ai un. Si, j'en ai un. Ça va être la merde. De toute façon là il est parti. Donc faut juste qu'on aille voir s'il y a des traces quoi. Rassure-toi, un animal ne disparaît jamais. Même si tu dors ou quittes, t'auras juste à le retrouver par ici. Ok. On va voir. C'est chaud, hein. Ce que tu me dis est rassurant, mais... j'arrive pas à être rassuré. Oh là là, il y avait tout un tas de canards, là. Il y avait tout un tas de satanés canards, ici. Mais bon. Non mais faut que je le... Il y a ses empreintes. Il y a ses empreintes. Ouais, c'est pas des empreintes, c'est des... C'est sa buvette. Ok. Alors, est-ce qu'il est parti en me voyant? Est-ce qu'il est pas... Alors ça, c'est pas les bonnes. Ça part dans ce sens-là. Ça, c'est les bonnes. Il est au pas. Est-ce qu'il est parti de manière naturelle? Ou est-ce qu'il est parti de manière panique parce qu'il m'a vu? C'est la question. Le vent de merde. Ah, j'ai le pire vent. Je me suis mis le spray, mais j'ai le pire vent, ouais. C'est pas une bonne nouvelle, en vrai. Ne pas se faire bait. C'est à la droite, c'est son passage d'avant. Lui, il est parti par là. Vent. Ah non, mais je sais qu'il y a du vent, mais que voulez-vous que je fasse? Je peux rien faire. Ton spray est vide, non? Non, j'en ai racheté, je crois. Il est au trop. Il y en avait un difficile aussi là-bas. Hein.
C'est quand même deux gros lots. Hein. Mais celui-là a l'air meilleur. Il t'a senti, c'est mort. Mais le vent va tourner. Le vent va tourner. C'est pas grave. Ouais, bref. Je sais pas où il est. Fraîche. Merde. Femelle. Il est où le mâle? kg, c'est pas beaucoup, non? Quoique, j'en sais rien. Après, il était marqué mythique et je pense que je suis bien en train de traquer le bon. C'est quand même le mythique, là, je pense. Ce serait bizarre, sinon. Si c'est énorme. Ok. Pour un grizzly, c'est beaucoup. Okay. Putain, le stress. Faut pas que je le loupe, celui-là. Mais je connais pas trop l'anatomie, genre... ça va être dur. Hein. Je vais tirer au-dessus de la patte, comme d'habitude, mais... mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est improbable. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vient de trouver le meilleur grizzly de ma vie. Et maintenant, il faut qu'on l'abatte en moins de 2 tirs, en touchant un organe vital. Il faut absolument qu'on y arrive. Pas le choix. Sauf que là, je sais pas où il est. Toujours au trot, hein. Je crois que le vent me nique. Hein. Tire derrière la patte avant et c'est GG. Au-dessus de la patte avant un peu? Derrière au-dessus? Un petit peu au-dessus? Genre à la... Juste en haut de la patte? Je devrais te voir là. Oh! T'es où? T'es pas là. Ah, il est parti à gauche. Un peu. Non, pas forcément. Il est parti là. C'est pas clair. C'est pas clair. Merde. Tac tac tac. Il peut se faire kill par l'ours? Oui. L'ours peut me tuer, oui. Sinon ce serait pas drôle. En gros, si je rate mon tir et que je suis trop près, je pense qu'il va me tuer. Ça va être marrant. Ancienne. Ça, c'est du bait. C'est du bait évident. C'est pas possible. Les cacas sont buggés, hein, par contre. Hein. J'aime pas ça. Hein. Mais pourquoi une femelle? Putain. Pourquoi une femelle? Par contre, le vent, c'est pas... c'est bon, le vent, il peut tourner ou pas? C'est quand que le vent il tourne, en fait, que j'ai un peu de chance. C'est abusé là. Je traque depuis tout à l'heure, mais je peux pas y arriver avec ce vent en fait. C'est très grave. Ton chien te défend ou pas quand t'es attaqué? Bien sûr que non. Patrice n'a pas envie de s'embêter avec ça. Non mais le vent c'est abusé là. Ça va rester comme ça? Ça me bait. Regardez, genre pourquoi ça me... Des fois ça me retourne ma vue. C'est très grave. Ah c'est lui là. Ça c'est lui. Ah je le vois mais... Je le vois mais il me sent en fait, je pense. Tout simplement. Hein. Je me suis mis un spray, je le vois là. Mais
On l'a vu, hein. Moyen. Oh, c'est ok, c'est pas lui, c'est pas lui. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Celui-là, c'est le bon. Celui-là, c'est le bon. Mais il me sent, hein, par contre. Vous avez vu l'autre, il a tracé direct. Hein. On est vraiment dans la merde, hein, pour essayer de les avoir, ceux-là. Je vois pas ce que je fais de mal à part le vent, là. C'est trop chiant, vraiment. Je donne tout, mais je suis trollé par le jeu, quoi. Je suis trollé. Bon, j'avais vu les deux, mais c'était un moyen, l'autre. Dommage. Du coup, il est parti par là, vraiment. C'est bien le bon, là? Oui, c'est le bon, ouais. Par contre, le nombre d'ours, il y en a partout. C'est impressionnant. Grizzly femelle. Il y a trois, en fait, il y a trois grizzlies dans le coin. Du coup, c'est un peu étrange. Ce qui se passe. Tu pars pas vers le moyen? Bah non. Je pars vers le mythique. Puisque c'est le même, c'est celui qu'on a vu ici. C'était le mythique qu'on a vu ici et là on le poursuit. Donc on est bon. Normalement. À part si je me trompe, hein. Mais j'ai pas l'impression d'être en train de me tromper, je crois. Je crois que c'est bon. Je sais pas si c'est le mythique celui-là. Faudrait que j'arrive à le repérer avec mes jumelles. Là je le vois, mais... Vous voyez, je le vois, mais je peux rien faire, putain. Le vent est contre moi, ça me gave là, putain. Non, c'est bon, c'est sa masse. Oui, c'est vrai. Si tu fais deux bruits de trait, t'es repéré. Ok, c'est bon à savoir, en vrai. C'est bon à savoir. Bon, de toute façon, là, il est parti. Il est parti. C'est quoi ces traces-là? Je pense que c'est plutôt celle-ci, ouais. Et là j'en fais deux alors que je marche, genre alors que je fais rien. Ça va être difficile. Je peux rien faire. Du coup attends, il est venu là et il a tourné ou... Non. Si. Vous croyez qu'il a tourné? Que je l'ai pas vu tourner? Il a fait demi-tour. J'espère que... Oui bah je sais, oui. C'est lui. Bon du coup il a dû m'entendre de ouf là. Avec tout ça. Oh, ça va être long. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir que je sache quand j'arrive pas très loin de lui pour pouvoir vraiment cesser d'appuyer sur Shift et faire un seul truc de bruit. Ça va pas être simple, ça. Il est où là? Je l'ai perdu. Je
sais pas où il est. Je sais pas où il est là. Mais casse-toi, toi! C'est un truc de ouf! Alors là, il y a un léger malaise. Je sais pas où il est. Ah! Il y a une trace là. Pourquoi il se sert pas du chien? Bah, parce que je peux pas pister un animal avec le chien. Sinon, je l'aurais fait, pensez bien. Je pense qu'il est loin. Tu traques quoi? Un grizzly mythique. Rien de spécial quoi. Juste la meilleure prise de ma vie. Sauf que là, je sais pas où il est, c'est le bordel. Je pense que c'est les traces de quand il est parti boire à la rivière il y a une heure. Vous avez pas tort, je pense. Donc j'ai chié dans la colle. En même temps, ça me rassure un peu. Enfin, je préfère qu'il soit vers là. Sinon, ça aurait été un peu compliqué. Donc là, en gros, tout à l'heure, on est arrivé là. On a vu ça. Très ancienne. Ah, mais si là aussi c'est très ancienne. Et là, on a tourné. Mais là, il a fait caca. Mais c'est très ancien aussi. Bon, je crois que c'est mort. Là. Je fais un mini tour, mais. À droite. Tu peux pas laisser filer un mythique. Bah non, c'est pas possible en vrai. On peut pas faire ça. C'est absolument impossible en vrai. Jamais je vais faire ça. C'est trop important en fait. Je ne peux pas. Du coup là on a tourné. On est arrivé là.
Et là, c'est vrai qu'il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure un peu étrange. Ça, c'est blanc. Mais là, ça rejoint plus ou moins. Là, on est revenu sur le chemin d'avant. Par là, je pense. Il y a un truc là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Putain. C'est ici. Pourquoi les traces sont bleues? Parce que c'est celle que je piste. Il faudrait qu'il y ait un caca pour m'indiquer, mais je pense qu'il est loin. Avec le temps qu'on a mis, je pense qu'il est vraiment loin. Très fraîche ou très ancienne, ça m'énerve. Ouais, on comprend rien. On est nerf par la traduction. Il me faut un caca. Mais les cacas sont buggés, j'arrive plus à les croire maintenant. C'est très grave. C'est très très grave. Grâce à quoi tu sais que c'est un mythique? En gros, quand tu le vois avec tes jumelles, ça peut évaluer sa difficulté. Et là, je l'ai vu avec mes jumelles à un moment, au début. Ah, caca. Je pense qu'il est loin. Je pense aussi qu'il est loin, mais... on sait jamais. Comme je l'ai vu au pas, j'ai ralenti. Très ancienne. Ça peut à la fois être vrai, à la fois être faux, mais bon. On va dire que c'est vrai. Parce qu'avec tout le temps que j'ai mis, il peut être très loin quoi. Mais pitié par contre qu'on sorte de cette végétation. Hein. Le bruit que ça fait, ça, c'est hallucinant. En bas, mes barres elles sont rouges tout le temps, ou même quand je marche, elles sont à deux, c'est n'importe quoi. Très ancienne. Là c'est... très très loin. Au pire tu peux passer la journée et attendre près du lac. Ouais mais j'ai peur qu'ils reviennent pas en fait. Vous êtes confiant mais moi je suis pas confiant sur ce truc là. Sur le fait qu'ils reviennent forcément et tout, ça me fait peur moi. En vrai. Là, j'ai dû lui faire peur. Parce que en fait, la végétation elle est à l'instant, donc il était ici. Mais en même temps, les cacas me trollent en fait. Les cacas me trollent. Je suis full trollé par les cacas. Faut que j'arrête de penser que les cacas sont. Mais en même temps, du coup, j'ai aucune info, je sais jamais. Le vent me troll aussi. Oui, le vent est toujours contre moi, c'est bien. Ça, c'est cool. Patrice, il en a ras le cul de cette journée. Il en peut plus, Patrice. Tu vois comme zone de... Pourquoi il revient en arrière, là? Oh non... Pourquoi il revient en arrière? C'est quoi, ça? Demi-tour. Bah ouais, mais non, mais je sais, mais... C'est-à-dire...
Ça veut dire quoi? Tu t'es fait troll par la caméra. Mais non! Ah mais putain, mais c'est de la merde! Des fois je fais des 180 en fait, je comprends pas. Je suis à 3 de bruit, je suis accroupi. Je suis à 3 de bruit dans cette merde. J'en peux plus de cette merde. J'ai envie de changer de biome, mais ça change jamais. J'ai mal aux petits doigts, à force de faire shift. J'en peux plus. J'ai mal à la main en fait, à force d'appuyer sur une touche là, d'avancer comme ça. J'en peux plus. Ouais, j'ai verrouillé image, ouais, du coup. Quelle torture. Y'a un point d'eau, y'a un point d'eau. C'est très intéressant ça. Il peut y être. J'ai autorun aussi. Ah, je vais me mettre en autorun parce que là j'en peux plus. Ok, il peut être au point d'eau. C'est possible. C'est quoi le spray que tu t'es mis? C'est pour masquer mon odeur. Un petit peu. C'est pas magique mais... En vrai, on arrive dans une zone où ça va être potentiellement mieux. Mais là, je peux plus avancer, du coup, il est peut-être en train de me distancer un peu. S'en bat les couilles. Franchement, s'il est en train de se désaltérer, il va arrêter de bouger, ce serait parfait. Mais là, je fais deux de bruit à cause de la végétation. Du coup, faudrait que je rampe. Mais genre, c'est chaud, quoi. Pour l'instant, il a continué tout droit. Il est où? Il s'arrête jamais, il me saoule. Là franchement j'aurais pu le voir, il me troll. Hein. Ça aurait été bien de le voir ici. J'avais une belle zone quand même. Quel dommage. Vous êtes 5300 à attendre que je voie le grizzly. Et moi aussi j'attends. On est 5302 à l'attendre en fait. Avec moi. Genre là je vois rien là. Là vraiment il est pas là là. C'est scandaleux. Hein. En plus on voit pas les traces au loin, du coup on sait pas s'il est monté. S'il est descendu, ça on sait pas. Parce que s'il est en contrebas là, il peut m'entendre. Et ça c'est dommage. Encore une fois, le vent est pile contre moi. Hein. Il fait exactement ce qu'il faut pas. Mais bon, ça on a l'habitude.
Il descend un peu. Ok, il descend. Il est au trot, donc pas d'espoir, mais bon. Après, s'il se met au trot pour aller se reposer, c'est bien. Mais... Tu descends où? Tu dois être archi en retard sur lui maintenant. Bah... Le truc c'est que s'il s'est arrêté, si à un moment il s'arrête en fait, je vais rattraper tout mon retard en fait. Donc... S'il est mythique, il t'entend ou te sent peut-être plus facilement. Je crois que c'est le cas, ouais. Quand tu poursuis des mythiques ou des très rares, je crois qu'ils sont plus alertes. Toujours au trot, hein. Toujours au trot. Il faut le nerf, hein. Il est hallucinant ce grizzly, hein. Il a une endurance incroyable. Là, il a tourné à gauche. Putain, mais en vrai, il doit être en train de se désaltérer, le con, là. Il n'y a plus le vent, c'est bon. On est au bassin. La végétation s'arrête un petit peu. Non, elle reprend derrière. Il doit avoir une belle avance en vrai. Parce que j'ai des points de vue sympas, hein. Franchement... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que selon vous je peux l'avoir ou pas? Est-ce que je peux avoir un tir poumon? En fait là je n'ai aucune idée d'où est le poumon. Vraiment aucune idée. Aucune idée d'où est le poumon. Je ne comprends pas où est le poumon. Pour moi je tirerais là. Là. À l'angle en haut à droite de sa patte. Là, c'est le cœur. Je peux pas le louper, mais il peut m'entendre en fait. Genre là, il peut tellement m'entendre, je suis vraiment prêt. Hein. Tire, vas-y. Mais c'est un mythique en fait. Si je le loupe, si je loupe l'organe vital, c'est, je m'en voudrais à vie. C'est trop. Je me rapproche un peu. mètres. Non mais la position elle est bien. En vrai pour la position... C'est maintenant. Hein. On verra. On a deux chances. Hein. Je vous rappelle qu'on a deux chances. En vrai si ce tir là n'a pas fonctionné, on peut potentiellement faire un deuxième tir. En vrai j'ai tiré un peu à droite. Parce qu'on m'a dit que c'était le cœur. Du coup j'ai tiré plus derrière pour avoir les poumons. On verra ce que ça donne. Le problème c'est la distance. En fait le problème c'est la distance. J'étais à 160 mètres. Du coup ça se trouve avec la distance j'aurais dû tirer un peu plus haut. Et je sais pas. Je sais pas. C'est pas grave qu'il soit pas tombé d'un coup en vrai. C'est assez normal même. Vu que j'ai pas cherché le cœur. Et dans tous les cas je peux le retrouver. Faut juste pas que je foire mon deuxième tir si celui-là est déjà foiré en fait. On va le savoir, on va voir. Il était ici. La tâche est belle. Oh oui. Oh oui, la tâche est très belle. Organe vital touché. Je suis vraiment un crack, putain. Vas-y Patrice, je suis vraiment un crack par contre. Je suis incroyable. Je suis le chasseur dont vous rêviez. Allez Patrice, va. Continue. Oh il est là, je le vois. Allez. Bon, allez, le diamant. C'est peut-être pas mon premier diamant, mais je me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu un diamant tellement serre. Oh là, j'en sais rien. Un mythique. Le plus gros grizzly que vous n'ayez jamais vu. Oh putain. Enfin. Ah, je sais pas. Oui, Patrice. C'est bien. 3. 2. 1. Non!
C'est à 66,90, le diamant il est à 64. Bon, au moins on a eu l'or. C'est-à-dire que pour le challenge d'aujourd'hui, c'est top. Mais putain, mais what the fuck en fait. Genre, on est à 2,20 du diamant. C'est très difficile ça. Ah, dommage. Franchement, j'avais fait. Regardez, le tir est parfait. Hein. Le tir est parfait. Quel dommage. Le tir est exactement ce qu'il faut pour faire un trophée, quoi. Patrice, tu saoules à chaque fois. Non, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Empaille-le. Non, il sert à rien. C'est juste, il est en or. Il est bien, mais il est en or, quoi. Mais après, on est très content de l'or. Parce que vous savez ce qu'on va faire. On va ouvrir Photoshop et on va updater le. Mon petit Patrice, s'il te plaît. C'est que les level 9, les diamants, je crois, pour le Grizzly. C'est possible. Après, là, on était pas très loin, tu vois. Ça se trouve, un mythique un peu mieux, c'était bon, quoi. Ah, légendaire. Ah, c'était légendaire qu'il fallait. Mythique, c'est pas assez. En vrai, je suis content. En vrai, il nous fallait un Grizzly. Et ça a pas été facile, hein. En vrai, ça a pas été facile, donc je suis content. Et voilà, il est allumé. Il est allumé. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? On va pouvoir se détendre. Parce que c'est l'heure du canard! Allez! On rentre à la maison et on fait du canard. Ah, quelle ambiance, putain. Quelle ambiance, ça va être incroyable. Bon, GG. Ton HUD est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Hein. En haut, là, le truc. Pour avoir une idée du challenge, c'est cool. Quelle heure est-il? 9h30. 9h50. On va... On va dormir jusqu'à 7h15. Ouais. On va reprendre ce qu'on voulait. Bah non, c'est bon, j'ai la viande. Hop. Bon, cette carabine là, c'est vraiment uniquement pour les canards. Hein. On est bien d'accord. Putain, ils aiment pas mes canards, hein. C'est scandaleux, vraiment. Bon, après, il est un peu tôt. Il est un peu tôt, on va voir ce que ça donne. Et là encore, hein, ça se trouve, on peut avoir du caribou ou des grizzlies. Ouvrez l'œil. Voilà, maintenant on attend nos canards. Et on se détend après toute cette merde. Putain, vous souvenez quand on a vu ce grizzly mythique là? Ça a commencé ici. Et après ça a duré une heure ce bordel de merde. Par contre la merde. Non, je suis content. Ouais, t'as raison. Femelle, c'est bon. En vrai c'était hyper agréable, mais c'est vrai que c'était long. Mais vous voyez que la patience, on finit toujours par être récompensé sur ce jeu. C'est ça qui est beau. Ça prend parfois très longtemps, mais... Au bout d'un moment... Ça peut le faire. Trop bien ce jeu. Moi j'aime trop, je trouve ça trop marrant en stream. Les challenges. En fait, ce qu'il faut sur... En fait, sur The Hunter, tu te fais chier si tu te balades juste et que tu sais pas quoi faire. Par contre, si tu te donnes des objectifs, ça peut être très drôle. Ouais, ouais, oui, oui. Du coup, je vous rappelle que les canards peuvent être là de 7h30 à 9h30. À peu près. Donc, enfin, il peut y en avoir hors dehors de ces plages, mais du coup, on les attend. On a posé des faux canards. Ça, c'est nos faux canards. Ils sont incroyables. Ce sont de faux canards. Oui, oui, oui. C'est les faux. C'est moi qui les ai posés. Merci Jacko112. Et merci DoudouKiki55. Escroatech. Merci pour les subs. Apo. J'ai un apo? Non, mais l'apo, il sert à rien, on m'a dit. On m'a dit qu'il servait à rien. Pour l'instant, il n'y a pas un canard. Ah, bonjour. Toujours la même. Toujours la même. Putain, mais la dernière journée, quand on a spawn, il y avait 1000 trucs. Il y avait des caribous. Deux grizzly mâles. Là, aujourd'hui, c'est... C'est calme, aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose.
Du coup, on va attendre seulement les canards, quoi. C'est Patrice qui fait du bruit comme ça? Non, c'est pas Patrice, ça. Il y a quelque chose qui fait du bruit là. C'est quoi qui fait ce bruit là? Il y a un truc qui fait du bruit là. Oh, vous pouvez pas vous poser là? Frère. Frère, oh toi, pose-toi, frère. Viens. Viens ici. Ils arrivent. Sauf que c'est pas des bons, c'est des canards nuls. C'est quoi qui fait ce bruit? Il y a des bêtes? Il y a un bug là? C'est un bug ça. Regardez hein. Mon appôt à canard qui fonctionne parfaitement. Sauf que lui il est insignifiant. Donc par contre il y a un bug hein. Il y a un bug de bruit là. Ah non mais c'est vraiment leurs ailes. Mais c'est de la merde. Oh putain par contre il y en a plein. Insignifiant. Vous me confirmez qu'il faut un niveau 3 pour l'or? Insignifiant. Oh, les bruits qu'ils font. C'est un niveau 3 qu'il faut? Non, 2. Ah ouais? Ah mais attends alors. Il y a un truc à faire. Et comment on le sait? Genre là, les... Oh lui, il est bien dodu. Attends, lui, il est dodu. Lui, il est dodu en vrai. 2, mais c'est pas assuré que t'es l'or. D'accord. Putain, par contre, faut pas le confondre. Hein. C'est qui lui? C'est toi? Oui. Il est dodu lui. C'est lui? Non, c'est lui ou lui? Oh putain, il m'emmerde. C'est les deux. En gros, je sais pas lequel des deux faire. Lequel est le plus dodu? Celui-là, il est dodu, non? Ah non, je sais pas. Ah lui il est vénère quand même. Hop. Boum. Ils sont envolés ou pas? Ah. Boum. Boum. Un mâle. Il y a plus de mâle. Où sont les mâles? Ok. Je sais pas le deuxième sur quoi j'ai tiré, mais. Le deuxième, lui, je crois que j'ai tiré sur une femelle. C'était pour m'amuser. Oh non, j'ai tiré sur un. Quoi? Mais je suis un crack mondial! Je l'ai eu en l'air! Je l'ai eu dans le ciel! Mais je suis trop fort! C'est un délire! Je lui ai abattu la phalange droite! Mais je suis trop fort! J'ai même pas fait attention, j'ai fait. Il est mort de chute. Non, mais je suis trop fort! Trop marrant! Bon, alors là. Bon, alors là, je suis trop content. C'est trop marrant! Poule! Trop marrant. Ok, bon. Ça, c'est fait. Et attendez, on a peut-être un deuxième en or à droite. On a peut-être fait les deux. C'est drôle. Putain, mais en fait, quand je voyais tous les canards en l'air, j'ai même. Je sais plus si j'ai fait attention de regarder si c'était un mâle ou une femelle sur quoi je tirais. Je crois que j'ai fait gaffe. Mais ça se trouve, j'ai eu un coup de chance. Alors, le canard. On l'allume. On a déjà fait 3 aujourd'hui. Je pense que t'es un ouf, toi. Un ouf mâle. Merci, Tarifo Ever. Tarifo Ever pour les 400 bits. Merci, Vivo. Oh mon canard, il s'en va. Merci Vivo. Merci Bisou Toudou, Doudou Kiki, H2O Ricard, Jacko. Merci pour les subs. Allez, un deuxième en or, ça dégage. Eh bah les deux étaient bien. Hein. En vrai, c'est facile les canards. Mais apparemment, c'est pas tout le temps des ors. C'est pas tout le temps des ors. Donc. Bon bah ici, j'ai un spot à canard quoi. J'ai un sacré spot à canard.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense maintenant ça va être les élans et les caribous, hein. C'est pas ce que je préfère, mais ça va être ça, quoi. Alors, élan et caribou. Il va nous falloir... Il est où l'élan? Il est là. Catégorie 8, l'élan. L'élan, c'est un peu dur, hein. Et le caribou, bah ce sera... En gros, je vais prendre une 270 et une 300. Catégorie 6 et 8. Ok. Catégorie 6 et 8, ouais, c'est ça qu'on va faire. On va prendre ça. Et 8. 300 pour le 8 et 270 pour le 6. La 300 est aussi bien que la 338? Je ne sais pas. C'est où la 338? Je connais pas en fait. Ah. Je connais pas ça. Précision 33, recul 100. Précision 80. Ah mais c'est pas le même genre d'arme, non? On dirait un peu... C'est plus précis. Ça, on dirait un espèce de... La 338 n'a qu'un seul coup. Ouais, je vais rester en 300 alors. Ok, 300 en 2, 210 en 1. On va mettre une 8 x 16 pour les deux. Voilà. On a un appôt pour le caribou. Est-ce qu'on a un appôt pour l'élan? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des appôts pour les élans? J'ai oublié. Leur olfactif pour les élans, à peau à élan. Je vais prendre le tout. Je sais pas si ça me servira, mais... Voilà. À peau à élan, leur olfactif pour élan. Ok. On est bien, je crois. Est-ce que je peux même prendre ma tente? J'ai la place pour ma tente? Bien sûr que j'ai la place pour ma tente. Je la prends en vert. On est bon! Il y a moyen que ce soit le stream le plus chill de ma vie. Oh, c'est incroyable. Hein. Est-ce qu'on... Je pense qu'on va revenir à une technique traditionnelle. On va stepper à côté d'un truc pour les... Un truc pour les élans ou les caribous, genre caribou là. Est-ce qu'on se dit qu'on on peut le tenter ici? En vrai, il n'y a pas de raison, non? C'est juste que là, on n'en a pas eu aujourd'hui, du coup, je trouve ça un peu bizarre. En fait, c'est de 5h à 9h, du coup, ils sont peut-être pas encore arrivés. C'est là. À peu près là, quoi. Et ça, c'est à 300 mètres. Ça fait un tir difficile, hein. Faudrait passer de l'autre côté, quand même. Par contre, je peux pas traverser, là, c'est ça? C'est la merde. Ouais, c'est la merde. 300 mètres, c'est facile avec la 300. C'est un peu clutch quand même, hein. Mais bon, on va le tenter. 5h à 9h. Et ben 5h.
C'est parti. On attend ici. On se met bien. C'est quoi la distance d'affichage? Je pense que là je les verrai, c'est bon. Ouais, ça passe. On peut attendre là, hein. Traque quoi? Là je traque le caribou. On va checker s'il y a du caribou. Je suis pas sûr de la réussite du truc. Mais à voir. Après ils peuvent être beaucoup plus loin aussi, hein. Ils peuvent être de l'autre côté, en fait c'est un peu un... En fait il me faudrait vraiment de la chance pour le voir ici. Parce que il peut être aussi... je pense qu'il peut être aussi par là-bas. Il peut être aussi là-bas. Mais là-bas il s'affichera pas. Donc c'est pas hyper simple ici je trouve. Et est-ce que je peux faire des TP ailleurs et voir si je vois des caribous? Genre enchaîner les TP. Genre là. Caribou. Je vais attendre un peu ici, mais... En fait, je suis pas sûr que ce soit précisément ici qu'ils arrivent. Ça peut être long, hein. La peau, ça fait rien. Si, je peux en faire un peu. C'est quoi qu'il me faut pour les caribous, ça? Mais ça va pas la portée, je pense. C'est 200 mètres la portée, je crois. Donc là, non, ça fait rien. Je vous rappelle qu'un caribou en or, on a failli l'avoir, hein. Sauf qu'on l'a fait en 3 balles. Parce qu'on a raté les deux premières, comme un connard. Yes! On a failli être fort. Et en fait, non. Et finalement, non. Pour l'instant, il n'y a que dalle. Bon, on parle de quoi? Parce que là, on peut attendre. Genre, il est que 5h16. Ça peut être de 5h à 9h. Je vais pas attendre. Je vais pas attendre pendant 4h, mais. J'aimerais bien attendre un peu quand même, quoi. Je pense que ce serait bien. Parce que si je me barre maintenant et qu'ils arrivent dans 2 minutes. Quand il y a une zone violette, ça limite pas les spawns? C'est une bonne question, mais je crois que ça dure pas autant dans le temps, non? En plus, ça coûte de l'argent de dormir. Pas énormément, mais. Mais bon.
Ouais, j'ai eu le grizzly mythique, mais c'était or, pas diamant. Dommage. Et là, je peux aller dormir pour ajouter pour Est-ce que c'est worth de là de re-aller dormir, genre ajouter une heure et ainsi de suite et voir à chaque fois s'ils sont venus. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Et ben on va le faire. Oh, le canard. Ça, c'est un canard or, hein. Vous le connaissez, hein. Vous le connaissez bien, celui-là. Le coquin. Ok. On va dormir. Ça marche. Lui, il est intéressant, lui. Mais il est juste en très facile, donc je pense que c'est mort. Il est bien, mais il est pas or, quoi. On voit ses bois, hein. Ils sont pas mal, hein, mais. Mais c'est pas. Pas exactement ça, quoi. Et c'est quand même. Si vous voulez, je peux essayer un tir à 300 mètres. Mais après, il faut aller chercher, donc c'est long. Trop. Trop. Genre, en fait, ma vue s'est vachement remontée. Ça m'a surpris. Bon, bah là, ça va être long, hein, je vous préviens. Va falloir aller chercher le quad. Va falloir aller en quad là-bas. J'ai eu le grizzly, Taxou, j'ai eu le grizzly. Ça a été long, 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 long. Mais je l'ai eu. Conseilles-tu d'acheter le jeu? Bah non. Perte de temps, on apprécie. Apprécie. Toujours un plaisir, les quads. Le timing incroyable. J'ai pas roulé sur Patrice là? Attends, non, je suis pas sûr. C'était peut-être une pierre, je sais pas. Alors, on va bien passer là-dessus là. On comprend pourquoi ils ont mis ça. Hein. Ils ont mis ça parce qu'en fait, danger de mort quoi. Ton quad peut exploser. Si j'ai roulé sur Patrice. Oui, c'est Patrice. J'ai senti un truc sous ma roue. C'était Patrice. C'est bien ce qui me semblait. C'était une pierre, ouais. Qui s'appelle Patrice. Ah, il y a un autre pont. Putain. La galère. C'est pour ça que je vous ai demandé si je tirais dessus. Hein. Parce que c'était un peu long, quoi. Pas long, mais. Oh là.
passe le permis à la fin du mois. Enfin, les leçons de conduite. Aïe! Bon, vous croyez que j'ai eu un organe vital ou pas? J'ai tiré sur qui et quand? Et où? Je suis vraiment fort en vrai. En vrai, je suis fort. À 300 mètres, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Patrice! Allez hop! Après, bon, qu'est-ce que j'ai touché? Un poumon, ouais, je pense. Non, c'est si j'avais touché le cœur que je serais un crack. Mais j'ai pas visé le cœur. Ah. Attendez. Attendez, attendez. Ta gueule, Patrice. Y'a des... Attends, Patrice. Attends, Patrice. Parce que là... Il y a des caribous, Patrice. Garde-le pour toi, l'autre. Il y a des caribous, mais je sais pas. On sait jamais, hein. Ça se trouve, il y a un... pas où ils étaient. J'ai entendu... Patrice. Femelle. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ça non plus. Il y a aucun mal. Il y a rien. Y a que dalle. Rien. Y'a Zer. Par contre, j'ai oublié. Du coup, Patrice, si tu veux bien me dire où il était. C'est gênant, Patrice, mais je ne sais plus où il est, du coup. Merde. Ah. Attendez. Putain, mais il y a les RLCS que je regarde pas, quoi. Je vais juste regarder les résultats. Vitality a perdu contre BDS. Est-ce qu'ils sont bien battus au moins? Ouais. Aïe. Ouais. Ils sont bien battus ou pas? Et du coup là ils vont jouer à 21h. Faut que je regarde. J'arrêterai le live avant ça, c'est sûr. Contre Team Kesso. Solari a perdu. Et Solari est en train de perdre contre Atlantid Wave. Oh, j'ai envie de me buter. J'ai envie de me buter, putain.
Je vais craquer, les gars. Toutes les équipes que je supporte, elles se font défoncer. C'est grave. C'est bon, Patrice, je suis là. Argent. Ouais, très loin de l'or, hein, pour le coup. Vous voyez, on est à 100, plus de 100 de l'or. C'était sûr, hein. Mais bon. J'ai touché le poumon, mais genre de... Ouf, c'était chaud, hein. C'était très chaud, hein. Je vous ai dit que j'avais eu l'impression que mon viseur était remonté. Bah, effectivement, c'était pixel, hein. Ah, Solari vient de mettre un match contre Atlantide Wave. Peut-être. Ok. Ok, on va aller ailleurs. Vous savez quoi? On va aller ailleurs. Ça suffit des bêtises. On va aller. Là, il y a du caribou, notamment. Il y a du caribou, mais j'ai pas pris ma tente. Donc, je vais d'abord aller prendre ma tente. Ça, c'est ma tente. J'ai pas le calibre. J'allais le buter, mais... Et on va aller, du coup... où est-ce que je voulais aller, moi? Élan. Merde. Où est-ce que je voulais aller? Ici. Ta-ta-ra-ta-ta. Bon, et si je trouve pas un caribou dans les 30 prochaines minutes, eh bien, ce sera la fin. Malheureusement. En tout cas, je trouve qu'on a bien travaillé aujourd'hui. On n'a pas fait la moitié, enfin quasiment, quoi. Mais on a fait des pas faciles quand même, hein. Ah si, le grizzly était pas facile, mais en vrai le bison et le canard étaient les plus simples. Mais l'élan, c'est pas extrêmement difficile. Hein. L'élan et le caribou, c'est pas très dur. C'est plus les petits formats. Le renard et le loup, ce sera un petit peu plus dur. Parce qu'ils sont très très durs à pister, à traquer. Ils sont vraiment... c'est différent, quoi. C'est de la saloperie. Grizzly. C'est de la saloperie et je m'en souviens que c'est de la saloperie. J'ai eu des expériences terribles avec les renards. Je m'en souviens bien. Bon alors ici, attention, il peut y avoir du caribou. On va les appeler. Le loup, ça va en vrai. Ouais, le loup, je pense que ça va parce que déjà, il y en a plein, ils sont en meute. Faut juste pas qu'ils te tuent, quoi. C'est un peu énervant. Mais bon. C'est quoi ici? C'est de l'ours. Grizzly. Ce soir, il y a un live avec Wankil. Non, on est samedi, c'est ça? Du coup. Un renard roux. Pas maintenant. Pas maintenant, les renards. Oh que non. Ah, on a un candidat là. Mais a priori, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on veut, malheureusement. C'est bien, mais. En fait, il a très peu de... Il a des grandes branches, mais il a pas grand chose dessus, si vous voulez. On est d'accord, ceux qui s'y connaissent, qu'un très facile, ça passera jamais en or. Oh, toi, par contre, fais attention, parce que... On est d'accord que ça passera jamais. Il faut au moins un facile, quoi. Celui que tu as foiré, c'était un très facile.
Ouais. Je pense que c'est plus une perte de temps, quoi. Ça va être extrêmement rare sur du 3. Ouais, bah ouais. Ok. Bon, au moins on sait qu'ils peuvent être par ici. Bon, on le savait en fait, puisque c'est exactement là. Du coup, on va peut-être poser la tente et respawn. Dommage, hein. En vrai, il était bien, mais. Enfin, il était pas mal, quoi. Je vais marcher un peu, je vais voir s'il y a d'autres trucs. Mais bon. T'as pas envie d'acheter la compétence qui affiche le score? Elle est où? Elle est. Mais je crois que c'est dans mes compétences, mais en fait, quand est-ce que j'ai un point de compétence? On peut le savoir, ça? Parce que j'en peux plus, en fait. Genre, c'est dans. Pisteur? Je sais plus où c'est, en fait, mais. Ça m'ennuie. C'est dans Tracker. Je pense que c'est dans Tracker. Révèle des informations sur l'évaluation de trophées et le poids approximatif de l'animal. C'est ça? C'est fini pour Solari. Mais non, putain, c'est terrible. Franchement, c'est trop triste. Si Vitality sort aussi, je me bute. Hein. C'est trop. C'est trop. Il faut 2 sur 3. Putain, mais ça fait chier. Et quand est-ce que j'ai mon prochain point de compétence? C'est très grave. En vrai. Je vais pas oublier pour 52 000. C'est chiant, hein. En vrai, je comprends pas quand. Il y a un. Si, mais si, il y a un endroit. Codex chasseur. À la fin du niveau 40, je vais avoir un point de compétence, non? Je crois. C'est ça? C'est les talents qui sont avec les armes. Ouais, Solari a perdu. Non, mais je suis dégoûté, mais. Putain, il était beau quand même, hein. Je viens de le revoir là, il m'a. Il était beau. Hein. Vers la fin, c'est pas tous les niveaux que t'as un point. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais attendre, ouais. Je vais pas tout oublier pour refaire. Je vais attendre. Mais bon. Après, je pourrais farmer les canards. Est-ce que farmer les canards, c'est un truc qui. Qui donne. Qui donne du. Ah, ils m'entendent bien quand même. Est-ce que farmer les canards, ça pourrait me farmer les levels un peu? Grizzly. Canard. Grizzly canard. Bon, ok. Pas sûr que. Je vais mettre ma tente ici. Je suis pas sûr qu'on est mieux là. On va dormir ici. Et on va attendre 5h30. Allô? Le jeu? Ok. Grizzly difficile. Mais bon. Mythique. C'est légendaire qu'il me faut pour avoir un diamant. Donc on va pas troller. En vrai, mythique, c'était pas si rare. Hein. C'est juste qu'en fait, ils ont des grosses notations en fait. En fait, c'est un légendaire qui serait incroyable. C'est marrant. Du coup, où est votre mâle, jeune caribou? Difficile. Putain, mais il y en a de plein. C'est incroyable. Il y en a plein, en fait. Où est votre mâle, jeune caribou? Ce n'est pas votre mâle. Je vais aller checker de l'autre côté.
Il n'y a pas grand chose, je crois. Bonjour. Ah, il y a quand même des grizzly mâles en facile, hein. Donc j'ai eu un peu de chance quand même. J'ai eu un peu de chance de trouver deux mythiques. Ça reste correct, quoi. Comme trouvaille. C'est plutôt propre. Je me fais spammer de canards, hein. C'est très grave. Ok. Pas fou ici, du coup. Dommage, il y avait pas de mal là-bas là. Ça me donne envie de redormir. Ça me donne envie de redormir ou alors d'aller checker le reste du troupeau parce que j'ai l'impression qu'ils sont derrière là. Il me reste une seule mission et j'ai jamais vu de mythique. Juste une femelle le cycle, t'as trop de chance. Ah ouais? C'est fou, ok. C'est fou que j'en ai vu deux mythiques alors. Bah stylé alors. Stylé, stylé. Redor. Je vais aller voir le troupeau que je viens de voir quand même. Pour être sûr que j'ai tout vu. Parce que en fait bah voilà, je te le remontre, il est là. C'est terrible, non? C'est terrible. J'ai envie de leur tuer, je sais pas pourquoi. J'ai envie de leur tuer, j'ai envie de... C'est trop dommage de laisser un diamant, un mythique comme ça, je trouve. Je trouve, quand même, un peu. Surtout que là, j'ai un point, j'ai un tir parfait, là. C'est un peu bugué, je sais pas où il est, mais... Je sais pas s'il est à 200, je sais pas. Attends, c'est un tir important, là. C'est énorme. C'est énorme. J'ai très mal tiré. On va dire que c'est à cause de toi. Ok. Ok. On va dire que c'est à cause de toi. Voilà. Ok. J'ai très mal tiré. Putain. Quand tu veux apprendre qu'il y a une autre mission où il faut un grizzly or. Bah c'est sûr, hein, je vais prendre le karma. Ah! T'as des petites cornes toi quand même. Hein. Je pense que j'ai très mal tiré sur... Oh! Il est là le mal, sauf qu'il est nul. Je me disais bien qu'il y avait un mal. Oh, j'ai trop mal tiré sur l'ours, c'est abusé. Je pense que je vais l'avoir en rien. Bonjour. Bonjour. Salut. Yo. Putain, j'ai tourné la tête à droite, je l'ai vu. J'ai peut-être pas si mal tiré que ça, hein. Attendez, parce que j'ai peut-être pas si mal tiré que ça. Est-ce qu'on peut avoir deux mythiques en moins de 2 heures? Boum! J'ai touché le cœur. Non, chair. Poumon. Non, bien, bien, bien. Un peu haut, comme je le pensais, mais en vrai, c'est ok. C'est bien. GG. Voilà. C'est tout ce qu'il faut en fait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué les mythiques. Je l'ai séché, voilà. Par contre, il pèse beaucoup moins lourd que l'autre, non? Et encore une fois, on n'est pas loin du diamant, hein. 64,50. Bon, je pense qu'il faut un légendaire, mais on est vraiment pas loin, hein. C'est chiant. On est à 2,40. Tout à l'heure, on était à 2,10, je crois. En vrai, c'est... C'est solide, hein. Bon, du coup, est-ce que j'ai level up? Toujours pas. Ça commence à me casser les couilles, ça. Hein. Ah, mais il me faut encore 4000 d'XP, là. C'est très grave ça. Très très grave. Ok, on va à la tente.
On dort jusqu'à demain. Coup 1875. Oh, c'est vraiment des chiens par contre. Hein. 1800. Je fronce mes sourcils là. Là, je fronce complètement mes sourcils là. C'est quand même scandaleux quoi. T'es blindé. Ah, vite fait, hein. Vite fait, hein. Merci Schmouf pour les 10 euros. Putain, vous m'avez rien dit, vous êtes des bâtards. Schmouf a fait un don incroyable. Alors, attendez. Si je me trompe pas, il y a un mâle dans le coin. Pas du tout. Où est le mâle? Non, mais ça commence à être chiant, hein. Où est votre mâle? Où est le chef de famille, comme on disait à l'époque? À l'époque, hein. Au fait que je crois que j'ai entendu cette expression il y a moins d'un an. Il n'y a pas un mal, là. Vraiment. Ah, point d'eau découvert, ça c'est cool. Il doit chasser quoi? Le caribou mâle avec des énormes cornes. Bon, donc vous n'avez pas de mâle dans votre tribu. D'accord. Ça paraît surprenant un peu, mais... Il n'y en a vraiment pas un qui est caché dans les arbres là? Il n'y en a pas un qui est caché dans les arbres là? Bougez un peu. Oh non. Oh, il y en a un qui s'est pété la gueule. Non, non. Il n'y en a pas. Écoutez. Je crois qu'on va s'arrêter ici. J'ai trouvé ça très sympa. J'espère que vous reviendrez pour la suite, puisqu'on finira ce challenge. Je restreamerai pas demain, mais probablement lundi. Probablement. J'ai trouvé ça très sympa à faire. On a donc fait le grizzly, le canard et le bison. Et la prochaine fois, on fera le caribou et l'élan. Et peut-être même d'autres choses. Ce sera incroyable. Merci pour tous les subs, etc. Merci pour les beats, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez fait. Méga GG pour les grizzlies. Ouais, c'est bien passé les grizzlies. Hein. Patrice, ça dort dehors, ça dégage. Et non Patrice, à la niche. Nice. Tintin. Sympa. Eh bah je vous laisse, je vais voir... Tac. Moi je vous laisse là en fait. C'est tout ce qui va se passer. Ta para 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 para.